Oui, parce que donc Claude. Non. Profite de son inconfort quand même. Est-ce qu'il est l'heure? Oui, l'heure. Alors, dis-moi, c'est une élection à quoi? Je suis un peu choquant. Dans une section particulière? Oui, en cinquième. La cinquième section, l'élection de mars. D'accord, merci. Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, nous allons commencer cette séance thématique de l'Académie nationale de pharmacie. Je remercie toutes et tous d'être présents, soit en distanciel, soit en mode présentiel. Je suis très heureux que cette séance porte sur le globule rouge dans tous ses états, on va dire, puisque toutes les sections devraient se retrouver dans les thèmes qui seront abordés par les différents intervenants d'une séance qui a été coachée par Claude Vigneron, mais également Michel Aroc, mais également Marc Vasse. L'idée, c'est effectivement d'aller de la physiopathologie jusqu'aux innovations pharmacotechniques. Donc, nos collègues biologistes, nos collègues galénistes, nos collègues chimistes, hein, puisqu'il y aura de la modification chimique pour l'approche pharmacotechnique, s'y retrouveront sur un thème d'importance, puisqu'ils touchent plusieurs pathologies qui sont des pathologies ou fréquentes, ou en tout cas à prise en charge impérative. Donc, je suis très content que nous parlions aujourd'hui du globule rouge. Juste avant de donner la parole à Michel Aroc, qui va ouvrir cette séance, je voudrais juste vous rappeler que je dois excuser l'absence de Liliane Kairos à cette séance, et que à la fin, dans les jours qui viennent, pour les membres de la section 5 de l'Académie, de tous les membres, vous aurez une information de demande de vote pour l'élection d'un membre titulaire en cinquième section. Donc, ne ratez pas les mails Belenios qui vont arriver sous 2-3 jours. Voilà.
Merci encore à tous les intervenants de prestige qui ont accepté de venir nous parler de leur thématique de prédilection. Avec brio, j'en suis persuadé. Et Michel, si tu veux dire quelques mots, la parole est à toi. Merci, monsieur le président. Le secrétaire. Alors, c'est un plaisir évidemment pour moi d'introduire cette séance sur le globule rouge. Alors, micro, bien sûr. Je disais que c'était un vrai plaisir pour moi d'introduire cette séance sur le globule rouge. Alors, comme vous le savez tous, le globule rouge, c'est une cellule qui est étudiée depuis bien longtemps. Et cela se comprend puisqu'elle est facile d'accès. De même, l'hémoglobine, qui est son principal constituant interne, est une des protéines qui est les mieux connues à l'heure actuelle quant à sa structure et son fonctionnement. Mais malgré l'ensemble des travaux qui ont été longuement menés sur cette cellule, elle reste encore au cœur de l'actualité physiopathologique et thérapeutique. Et donc, l'objectif de cette séance thématique va être, à travers les intervenants qui sont tous spécialisés dans leur domaine, va être de faire le point sur les avancées récentes, médicales et biotechnologiques, autour du globule rouge, et de montrer que cette cellule est aujourd'hui au cœur du développement de thérapeutiques innovantes et de programmes de recherche translationnelle, comme en atteste, par exemple, la création en 2012 d'un laboratoire d'excellence spécifiquement dédié à cette thématique, le LabEx GRX, qui réunit 32 équipes de recherche au niveau national, ce qui n'est pas rien. Alors, les principaux sujets traités au cours de cette séance thématique vont concerner bien sûr la physiopathologie de l'érythropoïèse, les groupes sanguins, la culture in vitro de globules rouges, la thérapie génique des hémoglobinopathies et le rôle potentiel des hématies dans le transport de médicaments. Alors ainsi, en premier lieu, le professeur Olivier Hermine, membre de l'Académie des sciences et à l'origine d'extrêmement nombreux travaux de recherche au niveau international, va nous exposer les dernières avancées dans la connaissance des mécanismes de l'hématopoïèse et plus particulièrement de l'érythropoïèse. Et il nous montrera comment une meilleure connaissance des mécanismes fins de l'érythropoïèse peut conduire à imaginer et développer des thérapeutiques nouvelles. Dans une deuxième présentation, le docteur Thierry Pérard, membre de notre académie, nous expliquera ensuite que la découverte de nouveaux systèmes de groupes sanguins va bien au-delà de la seule thématique de l'immunohématologie et de la médecine transfusionnelle. Et ceci peut présenter évidemment un intérêt majeur dans de nombreux autres domaines d'investigation et de recherche en lien avec la santé humaine. Au cours d'une troisième intervention, le docteur Guillaume Rousseau, directeur de recherche et études et innovation au sein de la société Rifarm, une société qui est basée à Paris, nous exposera l'état actuel de la production de globules rouges in vitro à l'échelle industrielle. En effet, on sait que pendant longtemps, il y a eu énormément de recherches sur finalement des essais de mise au point de sang artificiel ou de transporteurs d'oxygène capable de se substituer au globule rouge. Mais comme vous le voyez ici, alors malheureusement, c'est un peu tronqué, mais l'évolution dans le temps du rythme de dépôt des brevets pour des transporteurs artificiels s'est effondrée pour arriver à peu près à zéro à l'heure actuelle. Et donc, on sait très bien maintenant, compte tenu de la toxicité de ce type de molécules, qu'il faut plutôt préférer tenter de cultiver des globules rouges à l'échelle industrielle. À côté de ça, et comme chacun de nous le sait, les hémoglobinopathies graves, que sont la drépanocytose et la thalassémie majeure, sont des fléaux qui ravagent de nombreuses populations dans le monde, et plus particulièrement en Afrique. Et ainsi, notre collègue, le professeur Salima Hassembe Abina, nous exposera ensuite comment la biologie moléculaire et la thérapie génique sont aujourd'hui capables d'apporter de réels espoirs dans le traitement de ces pathologies lourdes. Enfin, et pour conclure, l'idée d'utiliser le globule rouge que l'on peut facilement ouvrir puis refermer pour véhiculer un médicament n'est pas nouvelle. Et ainsi, Madame Karine Aguera, qui est directrice de projet recherche et développement au sein de la société Eritech Pharma basée à Lyon, nous expliquera au cours de la dernière communication de cette séance, et cela à l'aide d'exemples concrets,
Pourquoi et comment cette solution revient avec force dans l'actualité, en particulier pour encapsuler des thérapeutiques innovantes ciblant le métabolisme des cellules cancéreuses. J'en ai fini avec la présentation de cette séance et donc je laisse la parole au premier intervenant, le professeur Arby. Bonjour à tous, Monsieur le Président, Madame la Secrétaire perpétuelle et Messieurs et Mesdames les membres de l'Académie de pharmacie. Je suis très content aujourd'hui de parler du globule rouge et je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a fait au laboratoire depuis 20 ans qui a débouché potentiellement sur des avancées thérapeutiques en montrant comment la compréhension des mécanismes qui concourent à la fabrication des globules rouges permet de faire des hypothèses intéressantes. Et je partirai d'un exemple, celui des hémoglobinopathies, qui sont les maladies génétiques les plus fréquentes dans le monde et qu'aujourd'hui, il y a pratiquement 5% de la population mondiale qui porte une mutation sur les gènes de la globine ou sur les promoteurs qui synthétisent ces globines. Et qu'aujourd'hui, ces maladies qui étaient fréquentes dans les régions où il y avait une pression de sélection par le paludisme essentiellement, et bien avec la migration des populations, on les retrouve un peu partout dans le monde et notamment dans la région d'Île-de-France. Ça marche. C'est coincé. Alors, pour vous résumer, hein, il y a deux grands groupes d'hémoglobinopathie. Il y a ce qu'on appelle les bêta-thalassémies, essentiellement où il y a un défaut de chaîne bêta de la globine. Et globalement, ça va induire un excès de chaîne alpha qui va conduire à ce qu'on appelle une érythropoïèse inefficace et à une anémie chez les patients. Et puis, une autre anomalie qui, elle, est qualitative, hein, qui est la drépanocytose, dans laquelle vous avez une mutation ponctuelle hein, qui va entraîner des anomalies de la structure de la globine et qui va précipiter et polymériser en cas d'hypoxie, entraîner ce qu'on appelle le cycling en anglais des globules rouges et qui va entraîner la falciformation et qui va entraîner une vaso-occlusion chez les patients dans les petits vaisseaux et une anémie. Alors aujourd'hui, le seul traitement curatif de ces maladies, hein, on verra, c'est la greffe de moelle et éventuellement la thérapie génique. Et je pense que Salima vous en parlera mieux que moi. J'en parlerai pas aujourd'hui dans mon topo. Alors si on prend l'exemple des thalassémies, en fait, on peut les séparer en deux grands groupes, hein, ce qu'on appelle les thalassémies qui sont transfusion dépendantes. Ça veut dire que les patients, s'ils ne transfusent pas, ils vont mourir d'hypoxie. Et puis les thalassémies qui sont transfusion dites indépendantes parce que c'est des patients qui peuvent vivre sans transfusion parce qu'ils fabriquent assez d'hémoglobine pour survivre. Et on le verra que entre indépendant et dépendant, ça dépend essentiellement du taux de synthèse de la chaîne bêta et aussi ça dépend du taux de synthèse résiduelle de chaîne gamma et, ce qui est encore plus intéressant, ça dépend aussi du taux et de la quantité de chaîne alpha que l'on trouve chez les patients. Alors, pour comprendre un peu la physiopathologie des thalassémies, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Hein. Ce n'est pas simplement un manque de chaîne bêta qui est responsable de la maladie, mais c'est aussi un excès de chaîne alpha. Et quand vous avez dans les thalassémies, vous avez un manque de chaîne bêta, ça marche ici, non, ça ne marche pas. Si. Voilà, la résultante de ça, c'est que vous allez avoir un excès
de chaînes alpha. Et ces chaînes alpha, en se fixant à l'hème, vont induire ce qu'on appelle des radicaux libres. Et ces radicaux libres, hein, ce qu'on appelle les hémichromes, ils vont se fixer à la membrane du globule rouge et vont induire une hémolyse en périphérie chez ces patients. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est que ces chaînes alpha qui sont libres, eh bien, vont générer ce qu'on appelle une érythropoïèse inefficace avec une expansion précoce des érythroblastes et qui vont finir par mourir dans la moelle avec la dégradation d'un facteur de transcription majeur qui s'appelle GATA1. Et je vais venir dans les détails sur ce qu'on appelle cette ineffective érythropoïésis, en fait, et qui s'accompagne d'une surcharge en fer parce que les cellules de la moelle vont produire l'érythroférone qui va réprimer l'hepcidine. Alors, dans les thalassémies, les patients, au début, ben, comme je l'ai dit, ils fabriquent des globules rouges qui sont anormaux, donc il y a une hémolyse en périphérie et ils vont avoir la bilirubine qui va augmenter. Deuxièmement, à cause de l'érythropoïèse inefficace, vous voyez, ils ont des malformations osseuses parce que la moelle va essayer de fabriquer beaucoup de globules rouges. Il y a beaucoup de précurseurs et on voit, vous savez, les fameux crânes en poils de brosse et le faciès, vous voyez, un peu déformé de ces enfants. Et éventuellement, quand il y a une destruction importante des globules rouges en périphérie dans la rate, eh bien, il y a une splénomégalie qui est parfois extrêmement handicapante pour ces enfants. Et associé à cette hémolyse et cette anémie, eh bien, vous devez transfuser les patients quand ils ont une anémie qui est transfusion dépendante. Et à la longue, vous amenez du fer et ils vont faire ce qu'on appelle une hémochromatose secondaire avec toutes les complications qu'on connaît de la surcharge en fer au niveau des glandes endocrines, du pancréas, notamment avec le diabète, au niveau du cœur avec l'insuffisance cardiaque et au niveau du foie avec une cirrhose. Mais même les patients non transfusés, eh bien, ils vont aussi faire une surcharge en fer parce que les érythroblastes vont fabriquer, comme j'ai dit, l'érythroférone qui réprime l'hepcidine au niveau du foie et la conséquence, c'est une absorption augmentée du fer. Donc, il y a aussi l'hémochromatose, même si on n'est pas transfusé. Et en plus, on sait que les érythroblastes, il ne faut pas les considérer simplement comme des précurseurs de globules rouges dans lesquels il n'y a que l'hémoglobine. Ils fabriquent aussi des facteurs, dont la fameuse érythroférone qui va réguler le fer, mais peut-être d'autres facteurs qui sont responsables des caractéristiques périphériques qu'on voit chez les patients, comme l'hypertension artérielle pulmonaire, par exemple, comme des problèmes hépatiques, comme les ulcères de jambes, comme les problèmes osseux. Donc, l'érythroblaste dans la moelle est anormale, va fabriquer des facteurs qui vont avoir des conséquences majeures chez les patients, même quand ils ne sont pas transfusés. Et ça, c'est extrêmement important. C'est que ce qui va déterminer le pronostic des patients thalassémiques, eh bien, c'est en fait le taux de fer qu'ils ont dans l'organisme. Vous voyez que les patients qui ont moins de 300 microgrammes de ferritine, eh bien, ils font très peu d'événements, alors que ceux qui ont plus de 1000 microgrammes de ferritine, eh bien, vous voyez que ceux-là, ils vont se dégrader très rapidement et ils vont mourir des conséquences de la surcharge en fer et de l'érythropoïèse inefficace. Alors, comment traiter les thalassémies? Eh bien, la première chose, comme j'ai dit, pour les guérir, eh bien, c'est de changer la moelle qui ne marche pas en faisant des allogreffes de moelle. Mais encore faut-il trouver des bons donneurs, les faire assez tôt, parce que la mortalité des allogreffes de moelle avec les thalassémies est environ de 30%. Donc, une maladie qui n'est pas facile à greffer. Et puis, il y a évidemment la thérapie génique dont on parlait tout à l'heure, mais qui est quelque chose qui est encore très cher, pas facile à développer et qui s'accompagne aussi de certains effets secondaires dont Salima vous parlera sans doute après. L'autre chose, c'est d'essayer, et c'est le traitement standard aujourd'hui finalement, c'est de transfuser les patients. Transfuser les patients parce qu'on sait quand on les transfuse, on va diminuer l'érythropoïèse inefficace, mais le problème, c'est qu'on amène du fer. Et si on laisse l'érythropoïèse inefficace perdurer, eh bien, on va avoir les complications dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de faire des traitements avec des chélateurs en fer, hein, qui ont été quand même une grande avancée dans le traitement de ces maladies, mais qui restent encore pas satisfaisants parce qu'il y a aussi des effets secondaires avec les chélateurs en fer. Et donc aujourd'hui, on arrive avec une sorte de dilemme dans les thalassémies où on a pris l'habitude maintenant de transfuser très tôt les patients pour éviter l'érythropoïèse inefficace et les conséquences sur l'os, sur la croissance, sur les organes, mais en même temps, on amène du fer. Et donc, la question aujourd'hui, c'est comment réduire le niveau de transfusion tout en réduisant l'érythropoïèse inefficace pour ne pas avoir les conséquences néfastes de cette érythropoïèse inefficace. Et donc, c'est là-dessus que notre laboratoire, on a travaillé depuis de nombreuses années pour essayer de comprendre et comment on pouvait jouer, entre guillemets, sur l'érythropoïèse inefficace, à la fois pour éviter ses conséquences et réduire le niveau
des transfusions. Alors, c'est pour ça qu'on a étudié pendant des années comment l'érythropoïèse normale se fait, et elle se fait à partir d'une cellule souche hématopoïétique qui est ici, qui est là-haut, qui va s'engager dans la voie érythroïde grâce à un facteur de transcription qu'on appelle GATA1. Et GATA1, il va allumer les gènes de différenciation érythroïde, et en plus, ça va permettre la survie des érythroblastes. Et puis, vous voyez qu'au cours de la maturation des érythroblastes dans la moelle, eh bien, ils vont se condenser, ils vont condenser leur noyau pour pouvoir l'expulser à la fin, donner naissance à une suite qui est particulière, qui n'a pas de noyau. Et quand on regarde ce processus, en fait, eh bien, on avait montré pour la première fois qu'il dépendait des enzymes qui sont responsables de la mort cellulaire, qui sont les caspases. Et que donc, pour différencier, en fait, eh bien, il faut activer son programme de mort, et que finalement, dès le début de la différenciation terminale des érythroblastes dans la moelle, on met en route un programme de mort dans cette différenciation. Mais ce qui était intéressant, c'est que cette mort, elle n'est pas complète. Elle n'est pas complète, pourquoi? Parce que le facteur de transcription GATA1, qui lui est clivé par les caspases au cours de la mort, quand on enlève l'érythropoïétine et qui induit l'arrêt de la maturation et la mort des érythroblastes, n'est pas clivé au cours de la différenciation. Et en fait, finalement, il y a une régulation qui se fait en aval de l'activation des caspases. Et ce qu'on a pu montrer, eh bien, c'est qu'il y a des chaperones dans les cellules qui vont se mettre sur les protéines qui sont normalement clivées par les caspases au cours de l'apoptose, mais qui sont protégés au cours de la différenciation parce que les chaperones les protègent. Et l'exemple typique, c'est le facteur de transcription GATA1 qui n'est pas clivé au cours de la différenciation. Et vous voyez ici, j'ai schématisé, que les caspases vont cliver des facteurs comme ROCK, la lamine B ou Acinus qui sont responsables de la condensation du noyau et de la chromatine, mais GATA1 est protégé de l'apoptose au cours de la différenciation. Donc, une apoptose contrôlée au cours d'une érythropoïèse normale. Alors, comment ces caspases sont activées? Eh bien, ce qu'on avait montré, c'est que dans la moelle, dans les îlots érythroblastiques, eh bien, les cellules expriment des récepteurs de mort et leurs ligands. Et quand vous avez beaucoup d'érythroblastes dans la moelle, eh bien, l'interaction entre ces récepteurs de mort et ces ligands, ça va activer les caspases, et normalement, ça va tuer les cellules. Mais heureusement que l'érythropoïétine, qui est l'hormone principale qui permet de réguler l'érythropoïèse, eh bien, empêche cette mort, en tout cas la contrôle, et permet aussi de différencier tout en activant les caspases parce qu'elles maintiennent le facteur HSP70 dans le noyau pour protéger GATA1. Et quand vous retirez l'érythropoïétine, eh bien, HSP70 va sortir du noyau et les cellules vont mourir, je vais en parler après. Et en fait, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que dans la moelle, il y a une sorte d'équilibre entre la mort et la vie. En fait, quand vous avez beaucoup d'érythroblastes, vous allez stimuler la mort, mais elle est contrôlée par l'érythropoïétine. Et si vous voulez fabriquer des globules rouges, il faut beaucoup d'érythropoïétine. Par contre, quand vous avez peu d'érythropoïétine et peu d'érythroblastes, eh bien, il n'y aura pas beaucoup de morts parce qu'il n'y a pas beaucoup de facteurs de mort. Et donc, il y a une balance, vous voyez, entre le nombre d'érythroblastes et le taux d'érythropoïétine. Et c'est comme ça qu'on régule un petit peu notre érythropoïèse dans la moelle. Et donc, quand vous avez, par exemple, ici, pas assez d'érythropoïétine, eh bien, HSP70 va sortir du noyau et la caspase 3 va cliver GATA1 et les cellules vont mourir. Et quand il y a assez d'épaule, eh bien, il n'y a pas de sortie du noyau et les cellules vont survivre normalement. Alors, maintenant, une fois qu'on a compris ce système, comment ça fonctionne dans les thalassémies? Eh bien, ce qu'on voit dans les thalassémies, à la différence de l'érythropoïèse normale, c'est que vous avez une expansion des érythroblastes les plus précoces qui se mettent à proliférer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici de l'hématopoïèse extramédulaire, où vous avez des érythroblastes qui sortent de la moelle osseuse et qui vont éventuellement comprimer la moelle épinière, qui vont ici, vous voyez, envahir le poumon. Et cette expansion, finalement, et à la fin, les cellules vont mourir avant de sortir dans la moelle. C'est ce qu'on appelle l'érythropoïèse inefficace. Et ça a pour conséquence la première dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est qu'on va avoir une augmentation de la production d'érythroférone qui va aller au niveau du foie, bloquer la synthèse d'hepcidine, permettre l'absorption du fer au niveau du tube digestif et le relargage des macrophages pour permettre à l'érythropoïèse de fonctionner. Alors, comment dans les thalassémies ça se passe? Eh bien, premièrement, ce qu'on avait pu montrer, c'est que la mort à la fin des érythroblastes, eh bien, elle est liée à l'excès de chaînes alpha qui sont dans le cytosol de ces cellules, et ces agrégats de protéines anormaux, en fait, ils vont être séquestrés, ils vont être « refoldés » entre guillemets par les heat-shock protéines, notamment HSP70. Et en allant essayer de refolder ces chaînes alpha en excès qui sont toxiques pour les cellules, eh bien, HSP70 ne va plus dans le noyau, et la conséquence, eh bien, c'est que GATA1 va être clivé par la caspase 3, et les cellules, au lieu de différencier, eh bien, elles vont s'arrêter et elles vont mourir parce qu'il y a un excès de ces chaînes alpha dans la moelle. Donc ça, c'est un des premiers mécanismes qui explique pourquoi
La maturation terminale dans les thalassémies ne se fait pas normalement parce que la protéine HSP66 ne peut pas faire ce qu'elle doit faire. Vous voyez ici un érythroblaste normal en bas où vous avez des chaînes alpha qui sont dans toute la cellule. Vous avez la protéine HSP70 qui est bien dans le noyau. Vous avez GATA1 qui est bien conservé, c'est ce qu'on voit en bas. Et puis, quand vous avez une colocalisation, vous avez HSP70 qui est dans le noyau et qui n'est pas associé aux chaînes alpha puisqu'elles sont liées, elles, aux chaînes bêta et qu'elles sont normalement structurées. Par contre, en haut, dans les thalassémies, quand vous avez des agrégats de chaîne alpha, vous voyez très bien ici, eh bien, vous avez HSP70 qui, au lieu d'être dans le noyau, s'agrège avec les chaînes alpha qu'on voit là-haut. Et la conséquence de ça, c'est qu'il ne va pas dans le noyau et que donc GATA1 est clivé et disparaît. Et donc, les cellules ne peuvent plus maturer et ne peuvent plus survivre normalement parce qu'elles n'ont plus de facteur de transcription GATA1. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez dans cette expérience, quand on retire l'érythropoïétine, hein, ce qu'on voit ici, là, si j'arrive à montrer, ça marche ici, eh bien, au moment où les caspases s'activent, vous avez HSP70 qui va dans le noyau, vous retirez l'érythropoïétine, HSP70 disparaît du noyau et GATA1 va mourir. Et ce qui était intéressant dans cette expérience, c'est quand on mettait la leptomycine B, qui est un inhibiteur de l'export nucléaire, eh bien, on voyait que même quand il n'y avait pas d'érythropoïétine ici, mais qu'il y avait la leptomycine B, eh bien, HSP reste dans le noyau et GATA1 est conservé, alors que les caspases, vous voyez, sont très activées quand on retire l'érythropoïétine. Et donc là, ça montrait que c'est l'export du noyau de HSP70 qui dépend et qui va réguler si le globule rouge va mourir ou pas mourir en fonction des taux d'érythropoïétine. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en clinique, il y a un inhibiteur des exportines. On a montré que, pour faire une longue histoire courte, que l'exportine qui était responsable de l'export du noyau d'HSP 70, c'est XPO1, et il y a une molécule qui s'appelle le sinilexor, en fait, qui est un inhibiteur de cet export. Et en inhibant l'export, eh bien, on peut faire l'hypothèse qu'on va maintenir HSP70 dans le noyau. Il a été développé, cet inhibiteur, en cancérologie pour maintenir la P53 dans le noyau pour induire la mort des cellules tumorales. Et donc, on a testé l'effet de cet inhibiteur dans l'hypothèse qu'on a l'empêché de sortir du noyau HSP70. Et ce que vous voyez ici, de façon dose dépendante, eh bien, quand on augmente les concentrations de KPT300, qui est le sinilexor, vous voyez qu'on augmente HSP70 dans le noyau, on augmente l'expression de GATA1, et la résultante de tout ça, c'est qu'on augmente la différenciation des érythroblastes thalassémiques. Donc là, il y a une approche pharmacologique qui est possible pour empêcher la mort des érythroblastes à cause de la mauvaise localisation d'HSP70 au cours de la thalassémie. Donc ça, c'est une première approche thérapeutique possible. Maintenant, quand on voit le système dont je vous parlais, il y a un deuxième aspect important des érythropoïétines efficaces dans les thalassémies, c'est l'expansion anormale des érythroblastes précoces. Pourquoi ils s'expandent? Pourquoi ils sortent de la moelle? Ça, c'est quelque chose qui n'était pas facile à comprendre. Et en fait, on a pu démontrer, là encore, pour faire une histoire longue courte, que l'expression des récepteurs de mort FAS ligand qui interagissent dans l'îlot érythroblastique a bien été perdue. Il n'y a plus d'expression de FAS et de FAS ligand sur ces érythroblastes. Et donc, la conséquence de ça, c'est qu'au contact des uns avec les autres, il n'y a plus d'activation des caspases. Donc, ça diminue la maturation. Mais en plus, ça empêche la mort quand il y a trop de cellules qui sont les unes attachées aux autres. Et donc, c'est pour ça que ça peut proliférer comme une tumeur, finalement. Et ça, c'était une des conséquences que l'on voit dans la thalassémie. Alors, comment ce mécanisme y rentre en jeu? Eh bien, là encore, on a fait l'hypothèse que c'est les agrégats chaîne alpha qui vont induire, avec les hémichromes, des ROS, et que ces ROS, on a pu montrer qu'ils induisent la synthèse de facteurs de la famille du TGF-bêta, je veux dire sur lesquels, qui sont capables de réprimer l'expression de FAS ligand, et ça explique pourquoi il y a une expansion dans les érythropoïétines inefficaces de ces patients. Alors, la famille du TGF-bêta, il y a beaucoup de membres, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, et donc on a essayé de voir quels étaient ces membres qui étaient importants et qui étaient fabriqués au cours de la thalassémie. Et là, bon, pour faire une histoire courte, tous ces membres, ils activent un pathway qui s'appelle les SMAD pathways, qui vont induire des gènes d'arrêt de prolifération ou au contraire d'arrêt de maturation en fonction de l'environnement génétique de la cellule. Et donc, ce qu'on a fait, on a regardé dans le sérum de patients qui avaient des thalassémies, et bien on a pu montrer qu'il y avait un membre de la famille TGF-bêta qui était augmenté, qui s'appelle GDF11, et qu'il était augmenté dans le sérum de ces patients. Et quand on regardait les érythroblastes de la moelle de ces patients, eh bien on voyait en confocal ici qu'ils produisaient du GDF11 de façon anormale quand on comparait à des cellules normales sans thalassémie. Et donc ça, c'était intéressant parce qu'à l'époque, on avait rencontré le laboratoire Celgene qui développait des récepteurs solubles qui étaient capables de trapper les membres de la famille TGF-bêta, et en particulier un qui s'appelait l'ACE01 chez la souris, le sotatercept, qui était capable de fixer l'activine,
l'inhibine, le GDF8 et GDF11. Et que donc, en trappant ces ligands, eh bien, ils empêchaient d'aller cibler les cellules. Et ce récepteur soluble est fusionné à un fragment Fc pour augmenter la durée de vie de l'anticorps. Et puis, il y en a un deuxième de la même famille qui s'appelle l'ACE036, le luspatercept, qui lui est intéressant parce qu'il ne bloque pas l'activine et l'inhibine, parce que ça va empêcher d'avoir des conséquences sur l'axe hypophyso-gonadotrope. Alors, ce qu'on a fait, on a traité des souris thalassémiques avec ce ligand. Et ce que vous voyez qui était intéressant, c'est qu'on voyait une augmentation de l'hémoglobine dans les souris thalassémiques. Et donc ça, pour la première fois, on était capable d'augmenter l'hémoglobine sans transfusion, rien qu'en bloquant, en trappant avec un récepteur de la famille du TGF-bêta. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on augmentait le nombre de globules rouges et que in vitro, pour faire encore simple ici, ce qu'on voyait, c'est que quand on traitait avec ici un anticorps anti-GDF11, eh bien, on rétablissait la différenciation terminale érythroïde, alors que les anticorps anti-activine A ou activine B n'avaient pas cet effet. Donc, il ne fallait pas bloquer l'activine, mais il faut vraiment bloquer GDF11. Et ici, quand on voit la maturation des érythroblastes, elle a été augmentée grâce au blocage de GDF11. Et de façon converse, en fait, eh bien, quand on mettait du GDF11 sur ces érythroblastes, eh bien, on bloquait la maturation des érythroblastes. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en bloquant GDF11, eh bien, on bloquait la production des ROS qui eux-mêmes, comme ils induisent GDF11, il y avait une sorte de cercle vertueux en fait, qui améliorait les choses. Et on voyait diminuer aussi le nombre d'agrégats et de chaînes alpha chez ces patients, ce qui était bénéfique pour le patient. Et donc, quand on traite après une souris avec l'inhibiteur, le luspatercept qui ne bloque que GDF11, vous voyez que dans la souris, ce qui était intéressant, c'est qu'on abolit pratiquement en grande partie les anomalies qui sont associées à l'érythropoïèse inefficace. Et je pense qu'elle est liée en partie à ça. Premièrement, on bloque les problèmes osseux qu'ont les patients en bloquant le GDF11 ici. On diminue la surcharge en fer au niveau du foie chez ces patients, probablement parce qu'on diminue l'érythropoïèse inefficace et on diminue les taux d'érythroférone. Mais aussi, ce qu'on a pu montrer maintenant, c'est qu'on a un rôle direct sur le métabolisme du fer au niveau hépatique. Alors, ce qui était intéressant ici, c'est que vous voyez, chez la souris, on diminue de façon très significative le volume de la rate où se fait l'érythropoïèse inefficace dans la souris. Et en plus, on a, vous voyez, une amélioration des anomalies périphériques. Donc, évidemment, ça posait une question dans ce modèle de souris, c'est comment expliquer de façon paradoxale qu'en augmentant la mort des érythroblastes dans la moelle, en diminuant l'érythropoïèse inefficace, on avait plus de globules rouges à la fin, puisqu'on apprend aux étudiants que si on veut fabriquer plus de globules rouges, il faut fabriquer plus d'érythroblastes dans la moelle. Alors là, on avait l'impression qu'on détruisait les mauvais globules rouges et les érythroblastes dans la moelle pour permettre la sortie des meilleurs. Alors, comment expliquer ça? Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que quand on dit qu'on fait une électrophorèse de l'hémoglobine et qu'on dit qu'on a 5% d'hémoglobine fœtale, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est 5% dans toutes les cellules ou est-ce qu'il y a 5% des cellules qui ont 100% d'hémoglobine fœtale? Et en fait, la vérité, elle est entre les deux. Vous voyez, quand on a fait ici de l'image TRIM, et on voit que l'expression de l'hémoglobine fœtale, il y a des cellules qu'on a très peu ici et d'autres qu'on a beaucoup. Et il y a une distribution qui est un peu gaussienne, on va dire, de l'expression de l'hémoglobine fœtale. Et l'hypothèse qu'on a faite, qui est celle-ci, qui a été vérifiée après en clinique, c'est que dans l'érythropoïèse inefficace des thalassémies, vous avez ici des érythroblastes qui ont beaucoup de chaînes alpha et libres qui vont produire des radicaux libres. Et ces chaînes alpha libres, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles vont induire la production GDF11, donc réprimer face-face ligand. Donc ces cellules vont s'expandre ici, puis elles vont mourir à la fin parce qu'il n'y a pas HSP70 dans le noyau. D'où l'érythropoïèse inefficace. Maintenant, vous bloquez GDF11, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces mauvaises cellules qui sont là, on réexprime face-face ligand, elles vont mourir. Par contre, celles qui avaient de l'hémoglobine fœtale, elles vont être sélectionnées et elles vont passer au travers et on va pouvoir avoir une expansion des érythroblastes normaux avec une durée de vie qui est normale parce qu'eux, ils n'ont pas des microbes, ils ne vont pas être hémolysés au niveau périphérique dans la rate. Et donc, on a fait avec ce mécanisme une sorte de sélection clonale des clones qui avaient le plus d'hémoglobine fœtale. Voilà. Et donc, basé sur cette théorie, en fait, on a fait une première étude, d'abord avec le sotatercept, qui était le seul qui était encore en développement, une phase 1. On a montré que de façon dose dépendante, on était capable de diminuer par 50%, vous voyez, le taux de transfusion chez presque un tiers des malades. Qu'on voyait ici une amélioration
en cytométrie, en cytologie, pardon, des anomalies qu'on voit dans les thalassémies, ce qui était intéressant. Et puis surtout, ce qu'on n'avait jamais vu, c'est que des patients qui avaient des ulcères de jambes depuis des années, eh bien, très rapidement après le début du traitement, vous voyez ces ulcères qui disparaissaient. Donc aujourd'hui, l'hypothèse qu'on fait, c'est que pour cicatriser d'ulcères de jambes, il faut qu'il y ait du TGF bêta 1 et que le GDF11, en fait, il rentre en compétition avec le TGF et que probablement qu'il empêche la cicatrisation et que si on bloque GDF11, on rétablit la balance pour le TGF bêta et on permet de cicatriser. Et donc, basé sur ces résultats de phase 2, vous voyez ici aussi qu'on diminue l'érythropoïèse inefficace chez un patient qui avait des hématopoïèses extracellulaires. On est passé à une phase 3, cette fois-ci avec le luspatercept, hein, qui est le médicament qui bloque que GDF11 et pas l'activine et l'inhibine. Hein, vous voyez, c'est un peu le mécanisme ici en bloquant ça. Eh bien, cette phase 3 qui a été publiée dans le New England, on a randomisé par rapport à un placebo une dose de 1 mg par kilo en subcutané toutes les 3 semaines, une petite seringue, assez facile à administrer, et versus le placebo. Et ce qu'on a vu, c'est que, vous voyez, ça c'est le endpoint terminal, primaire, c'est qu'il y avait 21% des patients qui étaient capables de réduire de plus de 33% leur taux à 3 à 12 semaines de transfusion versus 4% dans le placebo. Et que quand on regarde au cours du temps qu'on prolongeait à 24 semaines un peu plus, vous voyez qu'il y avait pratiquement 20% des patients qui étaient capables de diminuer 50% les taux de transfusion, dont certains étaient devenus transfusion indépendants, et 41% qui avaient diminué de plus de 33% les taux de transfusion. Donc ça, c'est quelque chose qui était important comme résultat chez les patients. Et surtout, ce qui était remarquable pour moi dans cette étude, c'est que, alors même qu'on n'avait pas diminué de façon drastique les taux de transfusion chez certains patients, eh bien, on voyait une diminution très significative, vous voyez, de moins 300 points de la ferritine. Et je vous rappelle que quand on est entre 1000 et 500 de ferritine, on a pratiquement 100% de chance ou de malchance de faire une complication dans les 10 ans, un sens cardiaque, un sens hépatique. C'est-à-dire en dessous de 300 de ferritine, eh bien, vous avez pratiquement 0 chance sur 100 de faire ces complications. Et vous voyez qu'on perdait presque 300 points très rapidement de ferritine chez ces patients, laissant suggérer peut-être qu'on allait avoir un impact majeur sur la survie de ces patients. Deuxièmement, GDF11, ce qui n'était pas très connu, mais ça joue un rôle important dans la trophicité musculaire et que ça bloque et ça induit une amyotrophie. Et ce qu'on voit chez les patients thalassémiques, et ce qu'on espère, c'est qu'avec ce produit, eh bien, on va bloquer GDF11 et on va rétablir une trophicité des patients avec des thalassémies. Et cette famille du GDF, en fait, joue un rôle important dans plein de processus physiopathologiques, notamment il y a un papier récent qui vient de montrer dans l'hypertension artérielle pulmonaire, quand on bloque GDF11, eh bien, on améliore la pression pulmonaire. Donc là aussi, un intérêt dans les patients thalassémiques. Et puis, ça a une étude récente aussi qui était intéressante, qui montre que les patients âgés opérés de rétrécissement aortique serré, eh bien, ceux qui ont des taux de GDF11 les plus bas récupèrent très bien en post-opératoire, alors que ceux qui ont des taux élevés eh bien, récupèrent pas bien. Il y a une forte mortalité opératoire chez ces patients. Donc là aussi, un argument supplémentaire pour dire qu'en bloquant GDF11, on va améliorer ces patients. Alors, maintenant, évidemment, l'expansion qu'on pourrait faire, c'est dans d'autres pathologies comme les drépanocytoses, hein, où là aussi, on sait qu'en dehors de l'hémolyse périphérique à cause du cycling de l'hémoglobine, il y a une part d'érythropoïèse inefficace. Pourquoi? Parce que la chaîne bêta-S mutée a moins d'affinité pour la chaîne alpha que la chaîne bêta normale, et donc il y a une imbalance dans les érythroblastes avec des excès de chaîne alpha qui auront les mêmes conséquences que dans la thalassémie, un degré moindre, certes, mais important, et qui joue aussi un rôle important dans le cycling des érythroblastes. Et il se trouve que c'est intéressant, c'est que pas mal de complications de drépanocytose, qu'on pense toujours naïvement être liées à des micro-infarctus, ce n'est pas le cas. C'est peut-être lié aussi à des synthèses anormales des érythroblastes à cause de l'érythropoïèse inefficace. Et dans les drépanocytose, eh bien, on voit aussi qu'il y a une hyperexpression chez la souris, en tout cas, de GDF11, et on pense que ça pourrait être aussi un mécanisme d'action qu'on est en train d'étudier aujourd'hui chez la souris, peut-être pour faire des essais cliniques. Voilà, donc je m'arrêterai là, et j'espère que je vous ai convaincu que d'étudier la physiologie de l'érythropoïèse, ça permet d'avoir au moins ici, dans l'occurrence, dans les thalassémies, dans les drépanocytoses, peut-être deux applications thérapeutiques innovantes. Et puis, je voudrais remercier toutes les personnes au laboratoire qui ont contribué depuis une quinzaine d'années à tous ces travaux, hein, particulièrement Yvan Mourat, Michael Ducio, Thiago Maciel, Geneviève Courtois, Francis Côté, Pascal Amiro, Flavia Guillem. Et puis, je tiens aussi à remercier le LabEx, hein, qui a
aussi financé ces études, et puis tous nos partenaires à différents endroits avec qui on a travaillé depuis longtemps. Et puis je voulais rendre hommage aussi à Yvan Moura, qui malheureusement est décédé et qui avait contribué à ce papier dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et ça, c'est quand on était parti à New York, un peu les petits franchouillards, aller convaincre devant les big shots américains qu'il fallait utiliser le luspatercept. Et vous voyez, 3 ans après, c'est devenu une molécule qui est enregistrée aujourd'hui et que les patients utilisent en clinique en France et aux États-Unis. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier, d'abord pour le temps passé à nous exposer cette brillante présentation des approches pharmacologiques dans le domaine, et puis effectivement pour l'ensemble du travail réalisé pour améliorer la vie de ces patients. Moi, j'ai 2 questions en préliminaire avant de donner la parole aux membres de l'Assemblée. Les inhibiteurs de XPO, XPO est exprimé spécifiquement au niveau érythrocytaire ou partout? X point, c'est assez ubiquitaire. Je l'appelle XPO. C'est ubiquitaire dans les cellules. Même il y a des mutations dans certains cancers, ouais, avec des mutations gain de fonction, en fait, qui font que les protéines sortent du noyau, et notamment l'hypothèse de départ, c'était la P53, et qu'il y a des traitements maintenant qui sont enregistrés dans les lymphomes, dans les myélomes, de bloquer cet export avec le KPT-330 ou le Cinelexor aujourd'hui en clinique, en fait, qui va se fixer à XPO1 et entraîner sa dégradation par le protéasome. Et donc, il n'y a plus d'export de protéines. Bon, ça rejoint une question que j'avais sur la modulation pharmacologique de GDF11, mais il y avait une diapo spécifique en fin de diaporama là-dessus. Il y a effectivement d'autres applications pharmacologiques qui sortent, qui vont sortir, qui sont quand même très intéressantes. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ou en Zoom ou non? Nous sommes suivis par une 60aine de personnes. Oui, il y a Michel Arroque et François. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier, pour ce magnifique exposé, très clair et très synthétique. J'ai vu que tu as zappé un moment le Jakavi. Pour quelle raison? Pour quelle raison j'ai zappé? Pour 2 raisons. Alors, la première, c'est qu'effectivement, alors le Jakavi, c'est un inhibiteur de la voie JAK-STAT, en fait, et que l'érythropoïétine, qui est augmentée dans les thalassémies, hein, puisqu'il y a une hypoxie en périphérie, donc le rein fabrique beaucoup d'érythropoïétine et va agir sur les érythroblastes et c'est qui contribue à l'expansion. Et donc, ce qu'on avait pensé, c'est que si on mettait du Jakavi, qu'est-ce qui allait se passer? On allait bloquer l'expansion de l'érythropoïèse inefficace et permettre peut-être l'érythropoïèse efficace de fonctionner. Or, quand on bloque avec le Jakavi toute la voie de l'EPO, on bloque à la fois les érythroblastes pathologiques et puis ceux qui résiduels qui feraient de l'hémoglobine fœtale. Et donc, ça n'a pas marché en clinique et ça a été arrêté. Il y avait un développement en phase 1-2, puis il n'y avait pas de résultat qui était concluant. Alors qu'avec l'inhibition de GDF1, ce qu'on fait, on induit la mort des mauvaises érythroblastes et on sélectionne les bons érythroblastes qui ont des hémoglobines fœtales. C'est pour ça que ça n'a pas marché, le JAK inhibiteur. Alors, ça marchait un peu pour diminuer la taille de la rate, pour diminuer un peu les érythropoïèses inefficaces, mais vous aviez une hémoglobine qui était encore plus profondément diminuée. François Chaste. Je m'associe aux remerciements de nos collègues. Merci, Olivier. À un moment, tu as évoqué les conséquences à moyen et long terme de l'hyperféritinémie. Je voulais savoir si c'était un constat sur ces patients atteints d'hémoglobinopathie ou, en général, tout patient chez lequel on a une féritinémie supérieure à 1000 est un patient à haut risque, notamment cardiovasculaire. Alors, ça, c'est une bonne question. En fait, la ferritine, c'est un reflet de la réserve en fer. Donc, il augmente de façon linéaire. Plus on a de fer, plus on fait monter la ferritine. Mais dans beaucoup de cas de figure, elle peut monter indépendamment de la surcharge en fer, notamment quand on a des hépatopathies, des syndromes inflammatoires, etc. Et donc, le taux de ferritine n'est pas forcément toujours relié au taux de fer. Ce qui est important pour la toxicité du fer, c'est que le fer ne soit pas libre. Et ça, on le regarde surtout sur la saturation de la transférine, qui est, quand elle est supérieure à, normalement, elle est à 30-40%. Si elle est à 80%, on sait qu'il y aura du fer libre et qu'il y aura des radicaux libres qui vont être générés par la réaction de Fenton, hein, et qui donnent des toxicités. Alors, chez les patients thalassémiques, souvent, et comme dans les patients qui ont l'hémochromatose, la ferritine, elle monte, elle va stocker le fer.
À un moment donné, la transférine elle va être saturée aussi, et là, il y aura de la libération. Donc, il y a des patients, par exemple, tous les patients qui ont des NASH, ils ont une ferritine qui est élevée, mais quand on regarde la saturation, elle est à 30%, donc ce n'est pas des patients qui vont faire des complications type hémochromatose. Par contre, dans les hémoglobinopathies, l'augmentation de la ferritine, elle est parfaitement corrélée à la surcharge en fer, et on sait qu'elle est liée à la survie de ces patients, et l'objectif, c'est de la faire baisser avec les chélateurs en fer, en dessous de 100 de préférence, mais on n'arrive jamais en général. Merci. Marc Vass. Merci beaucoup pour cette présentation. Sur la troisième diapositive, il y avait marqué que parmi les effets aussi qu'on voyait chez les patients bêta-thalassémiques, il y avait une maladie thromboembolique. Est-ce qu'on a une idée du mécanisme impliqué ? Alors, il y a beaucoup d'hypothèses et pas beaucoup de démonstrations, on va dire, mais ça survient essentiellement chez les patients qui sont splénectomisés. On est parfois amené à faire la splénectomie chez les patients quand la rate est trop gênante et que voilà, mais on sait que la splénectomie augmente de façon très significative le risque de thrombose. Et pourquoi ? Sans doute parce que les érythroblastes pathologiques avec des agrégats de protéines, ils peuvent d'abord induire la réaction inflammatoire quand ils vont en périphérie se faire capter par les macrophages, et on sait que sur les tissus peuvent activer la coagulation. Voilà. Il y a aussi une autre hypothèse, c'est que dans l'érythropoïèse inefficace, il peut y avoir des microparticules qui sont fabriquées à partir des érythroblastes qui, pour certaines, ont des activités procoagulantes et qui peuvent augmenter le risque de thrombose. Mais c'est essentiellement les patients qui sont splénectomisés. Alors, c'est intéressant parce que je n'ai pas parlé des effets secondaires, il y en a très peu avec le luspatercept, mais il y avait, je crois, deux patients qui ont fait des thromboses sous traitement, et les deux patients, c'était des patients qui avaient été splénectomisés. Bien. Pas d'autres dernières questions ? Écoutez, merci encore. Merci Olivier pour cette brillante conférence. Et j'accueille maintenant Thierry Perrard, membre de l'Académie de pharmacie, pour l'intervention suivante. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire adjointe, chers amis, chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui des groupes sanguins et je vous remercie vraiment de cette invitation. Alors, ça a l'air de vouloir marcher. Mais je crois que ça va être à la main. C'est pas mieux. C'est bon. Il y a un conflit ou il y a un intérêt au regard de cette présentation. Alors, je vais tout d'abord vous faire un rappel concernant les antigènes et les systèmes de groupe sanguin. Alors, vous le savez tous, hein, quand vous demandez en tant que biologiste médicaux ou en tant bien sûr que praticien plutôt un groupage sanguin, il y a donc deux déterminations de groupe avant de pouvoir transfuser. Et le groupage de routine se fait selon ce qu'on appelle un phénotypage ABO-RHK. Donc il y a 8 antigènes qui sont testés, donc le A, B, D, grand C, grand E, petit C, petit E et KEL, répartis dans 3 systèmes que sont ABO, RH, anciennement Rhesus et KEL. Dans certaines circonstances, on pratique ce qu'on appelle le phénotypage étendu avec 6 antigènes supplémentaires. C'est en particulier vrai chez les patients transfusés chroniques ou immunisés et on teste les antigènes FIA, FIB, JKA, JKB, grand S, petit S, répartis dans 3 systèmes que sont DUFI, KID et MNS. Alors en fait, c'est beaucoup plus complexe que cela au niveau de l'immunohématologie, vous pouvez vous en douter.
Là, je vous ai parlé de quelques systèmes de groupe. Aujourd'hui, je vais y revenir plus tard, il existe 43 systèmes de groupe sanguin caractérisés chez l'homme, avec plusieurs centaines d'antigènes qui peuvent être positifs ou négatifs selon le fait qu'ils soient présents ou absents. Donc, dans ces conditions, en dehors des jumeaux monozygotes, il est absolument impossible d'avoir deux individus totalement compatibles sur un tel nombre de marqueurs. Et donc, en cas de transfusion, ou même en situation d'ailleurs obstétricale, il existe un risque de développer un anticorps si le receveur reçoit l'antigène qu'il ne connaît pas. Alors, heureusement, tout le monde ne s'immunise pas à chaque fois, mais il y a un risque. Et contrairement à une idée que je qualifierais de trop largement répandue, le sang ORH négatif n'est en aucun cas universel. C'est la moins mauvaise des solutions en cas d'urgence vitale. Alors, à ce jour, la Société internationale de transfusion sanguine, l'ISBT, reconnaît donc 43 systèmes de groupe sanguin qui sont codés par 48 gènes plus 2 gènes associés. Il existe d'autres familles d'antigènes qu'on appelle des collections ou des séries qui correspondent à des antigènes dont on connaît le nom mais dont on ne connaît pas la base moléculaire. Donc, à ce jour, il existe 378 antigènes érythrocytaires qui sont reconnus officiellement chez l'homme. Donc, voici les numéros 1 à 18. Donc, l'ABO, RH, ici, vous voyez que donc, rien que pour le système RH, il existe 56 antigènes. Donc, quand on fait un phénotypage RH de routine, on n'en teste que 5, que sont grand D, grand C, grand E, petit C, petit E. Donc, il en reste encore 51 derrière, qui peuvent être positifs ou négatifs. Ensuite, on va du 19 jusqu'au 31, avec des noms qui ne sont pas forcément évocateurs de grand-chose pour la majorité d'entre les personnes qui ne sont pas spécialistes du sujet. Et puis, numéro 32 à 43 pour le petit dernier. Et sans prétention aucune, voilà, j'ai surligné en vert ces systèmes, puisque parmi les 12 derniers systèmes de groupe sanguin découverts depuis 10 ans, 8, ici en vert, ont été mis en évidence par nos équipes en première ligne, qui sont les systèmes JR, LAN, VEL, Augustine, CTL2, donc POL, EMM et ABCC1. Et j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Donc, si on représente donc par ce schéma qui a été montré tout à l'heure donc par Michel Arocq, la chronologie de la découverte des systèmes de groupe sanguin, vous voyez ici, bien sûr, en 1900, la découverte du système ABO, donc par le célèbre Karl Landsteiner, qui, soit dit en passant, a vu sa découverte passer totalement inaperçue. Elle a été qualifiée vraiment d'une bizarrerie à l'époque. Il a fallu attendre plus de 30 ans avant qu'il reçoive le prix Nobel. Et à partir de 1945, a été introduit un test que l'on connaissait à l'époque et encore d'ailleurs aujourd'hui dans notre jargon, donc le test de Coombs indirect, qui est beaucoup plus sensible par rapport à la recherche d'anticorps anti-érythrocytaires et qui a permis ainsi de caractériser de nombreux nouveaux antigènes et donc de nombreux nouveaux systèmes jusque dans les années 2000-2010. Et puis ça a commencé à patiner, vous voyez, vers les années 90 ici. Et d'un coup, à partir de 2012, une véritable explosion de nouveaux systèmes de groupe sanguin caractérisés grâce à la révolution de la technologie et de l'approche dite omics, avec en particulier le séquençage d'ADN à haut débit et la protéomique. Alors, ces antigènes de groupe sanguin, en fait, qu'est-ce que c'est dans les faits ? Donc déjà, leur nature, ce sont des déterminants protéiques ou des déterminants carbohydratés, c'est-à-dire des sucres, sur des glycoprotéines ou des glycolipides. Et ils peuvent être localisés uniquement sur la ligne rouge, ou parfois c'est restreint à certains tissus, ou parfois encore c'est présent partout. Alors, ils ont pour fonction soit des transporteurs et canaux, par exemple le système de groupe sanguin Colton, qui est porté par l'aquaporine 1, qui est un transporteur majeur d'eau. D'ailleurs, ceci a valu un prix Nobel à son découvreur, donc Peter Agre. Ça peut être aussi des récepteurs, comme le système de groupe sanguin CNOPS, qui est porté par le récepteur du complément CR1, la protéine du FI, qui est également le récepteur de Plasmodium vivax, des molécules d'adhésion, telles que le système Luteran, alias BECAM, des enzymes, comme le système Cartwright, qui est porté par une enzyme qui est l'acétylcholinestérase,
Et enfin, des protéines de structure comme le système Diego, qui est porté par la bande 3, qui est une protéine majeure de la membrane du globule rouge. Alors, je vais passer maintenant à un concept qui est très important pour nous, à la fois en immunohématologie, mais également en recherche translationnelle et fondamentale, que sont les phénotypes érythrocytaires nuls. Alors, ce n'est pas très joli comme dénomination, mais c'est absolument, je dirais, donc hautement précieux pour nous. Alors, que sont ces phénotypes érythrocytaires nuls? Nos amis anglo-saxons appellent cela des null phenotypes, donc avec deux L, un nul. Il s'agit de l'absence d'expression d'un gène qui code pour un système de groupe sanguin. C'est donc un gène silencieux pour un système de groupe sanguin. Alors, dans quelques cas, c'est loin d'être la majorité des cas, il y a une délétion complète du gène, ça existe. Mais la plupart du temps, il s'agit plutôt de mutations délétères, alors avec tout ce qu'on peut imaginer, donc mutations faux sens, non sens, des délétions qui vont d'un nucléotide à plusieurs exons dans le gène, puis après d'autres mécanismes, et en particulier quand on a deux gènes, voire plus, qui codent pour un même système de groupe sanguin, il peut y avoir des recombinaisons, ce qu'on appelle des conversions géniques, qui peuvent conduire à des allèles hybrides, et donc ce qui peut les rendre silencieux dans certains cas. Alors, au niveau génétique, ces sujets peuvent être bien sûr homozygotes mutés, c'est-à-dire qu'ils ont deux allèles silencieux identiques, donc la même base moléculaire pour les deux, et parfois, ils peuvent être ce qu'on appelle hétérozygotes composites. Autrement dit, ils ont bien sûr à nouveau deux allèles silencieux, mais cette fois-ci, leur base moléculaire est différente. Mais au final, ça reste silencieux au niveau de leur produit. Alors, en fait, en quelque sorte, ces phénotypes érythrocytaires nuls, ils représentent des knockouts humains, donc pardonnez-moi l'expression, pour un gène donné. Knockouts humains, en fait, qui sont donc naturels, entre guillemets. Voilà un exemple qu'on appelle le phénotype RH nul. Alors j'insiste, ce n'est pas le RH négatif, hein, puisque si on avait été RH négatif, on aurait été petit C plus et petit E plus ici. Si vous voyez que les 5 marqueurs majeurs sont tous négatifs, et dans les faits, les 56 antigènes RH seraient tous négatifs. Alors il y a quelques dizaines de sujets connus dans le monde qui ont un tel phénotype. Alors il y a quand même un impact clinique qui est modéré, hein. C'est une anémie hémolytique modérée et compensée, puisque les protéines RH, elles ont quand même un certain rôle dans la stabilisation de la membrane du globule rouge. Mais on va dire que ce n'est pas majeur. Alors, il y a, pour vous dire, un seul donneur RH nul actif en France, qui d'ailleurs est suisse, hein, qui traverse la frontière assez régulièrement pour venir donner en Haute-Savoie, parce qu'il est beaucoup plus simple d'importer le donneur que d'importer les produits sanguins, croyez-moi. Et donc, ce donneur, d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, on l'a interviewé avec cette journaliste anglaise ici, je l'ai mis ici, donc en fait, Mrs. Bailey, lui a valu le fait d'être surnommé l'homme avec le sang en or. C'est l'un des groupes sanguins rares qui est le plus couru au niveau international, puisque quelque part, c'est le phénotype universel pour le système RH. Alors, malheureusement, ce donneur est le groupe A. On aurait préféré qu'il soit O, mais bon, on n'a pas trop le choix. Alors, ces phénotypes nuls, ils ont été qualifiés par l'un des grands spécialistes en immunohématologie, qui est le docteur Flegel, de pierres précieuses rares. Ce sont vraiment nos pierres précieuses, nos diamants, et ils méritent toute notre attention, aussi bien au niveau clinique qu'au niveau scientifique, et je dirais même au niveau diagnostique. Alors, une première catégorie ici que j'ai surlignée en haut, qui correspondent à des phénotypes nuls qui sont toujours associés à un phénotype clinique. Alors, je ne peux pas tout vous dire, je n'ai pas le temps, mais par exemple, quand on est de groupe sanguin rare KX négatif, ici, c'est le troisième, eh bien, on souffre d'une maladie particulièrement grave, qui est encore aujourd'hui une maladie qui est incurable en dehors de la greffe, qui est le syndrome de MacLeod, qu'on appelle également la neuroacanthocytose. Il y a d'autres situations où il n'y a pas de phénotype clinique, je dirais, qui est évident, mais c'est un phénotype qui peut en fait apparaître dans certaines conditions de stress. Alors, c'est par exemple le cas du phénotype Colton nul, c'est-à-dire l'absence d'aquaporine 1. Eh bien, dans certaines conditions de stress hydrique ou d'extrême chaleur, il peut y avoir une concentration des urines qui est anormale. Après, il y a des phénotypes nuls où on n'a pas trouvé de phénotype clinique. En tout cas, il n'y a rien d'apparent, ni au niveau clinique, ni au niveau biologique. Donc, par exemple, le phénotype rare Ken nul, qui est particulièrement représenté dans l'île de la Réunion, c'est l'une des régions au monde où il y en a le plus, et rien n'a été décrit au niveau de phénotype clinique.
Et enfin, des phénotypes nuls où il n'y a rien d'évident en termes cliniques ou biologiques, mais par contre, ça représente un avantage dans certaines conditions. Alors, l'exemple phare, c'est le fait d'être Duphinul, puisque les sujets Duphinul sont résistants au Plasmodium vivax, et donc ce phénotype est particulièrement présent en Afrique subsaharienne, puisque ça a créé un avantage, avec un avantage en fait, sélectif. Alors, ces phénotypes nuls, l'immunohématologie érythrocytaire, c'est finalement un moyen simple de les dépister, ne serait-ce que par un phénotypage. Donc, par exemple, quand on fait un phénotypage étendu, eh bien, quand on phénotype les antigènes JK, JKB, eh bien, on peut tomber sur un JK-B-, c'est un phénotype JK nul, ou en faisant un phénotype plus élargi, comme par exemple le phénotypage lutéran, on peut tomber sur un lutéran A-B-, et c'est le phénotype nul du système lutéran. Mais on peut quand même dire que la plupart des cas, c'est lorsque l'on va faire la recherche d'anticorps irréguliers, la recherche d'anticorps antiérythrocytaires. Cette fois-ci, c'est une détection qui est indirecte du phénotype nul grâce à la mise en évidence de l'anticorps qui a été produit contre la protéine ou le glycolipide absent à la surface du globule rouge. On parle d'anticorps antipublic, c'est-à-dire d'anticorps dirigés contre un antigène de fréquence élevée. Alors, cet anticorps, il apparaît soit suite à une allomisation après transfusion ou grossesse, ou suite à une hétéromisation dans le cas de réactions croisées avec les antigènes de l'environnement. Alors, nous avons découvert dans notre équipe des phénotypes nuls qui étaient particulièrement inattendus. Alors, je commence par le premier, qui est le groupe sanguin rare LAN négatif. On a montré, ça a été publié dans Nature Genetics en 2012 par notre équipe, en collaboration internationale, que ces sujets de groupe rare LAN négatif, ils étaient totalement dépourvus d'une protéine qu'on appelle la protéine ABCB6. Et cette protéine, de manière très surprenante, elle était considérée comme étant absente sur le globule rouge. On la connaissait au niveau de la membrane de la mitochondrie. Elle était aussi considérée comme étant essentielle pour la biosynthèse de LAN, autrement dit de l'hémoglobine. Bon. Pourtant, il y a des milliers de sujets dans le monde qui sont de groupes rares LAN négatifs et qui n'ont donc pas cette protéine et qui n'ont aucun signe clinique apparent, une numération sanguine qui est parfaitement normale. Donc, il y a un probable mécanisme de redondance. Un autre exemple, le groupe sanguin rare JRA négatif, alors qui est particulièrement retrouvé au Japon. Il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui vivent avec ce phénotype rare au Japon. Et en Europe, il est particulièrement retrouvé dans la communauté des gens du voyage. Eh bien, ces sujets sont totalement dépourvus d'une protéine qui s'appelle ABCG2, qui est bien connue des cancérologues, puisque c'est la protéine de résistance au cancer du sein. Et elle est également considérée comme l'un des plus puissants détoxifiants de l'organisme. Or, les sujets de groupe rare JRA négatif se portent très bien. Donc, il y a très certainement un mécanisme de redondance. Donc, ça aussi, on l'a publié en 2012 dans Nature Genetics. Alors, j'ai le souvenir d'avoir échangé à ce sujet avec l'ancien doyen, donc le professeur Sherman, sur cette chose-là. C'était en 2013, il était extrêmement surpris d'avoir appris que des individus pouvaient vivre sans cette protéine. Et effectivement, ils vivent très bien. Alors, tout ça pour vous dire que il vaut parfois mieux ne pas exprimer du tout une protéine que de l'exprimer sous une forme en fait qui n'est pas normale. Ce qu'on appelle, ce qu'a dit tout à l'heure Olivier, le concept de protéine gain de fonction. Alors voilà, donc je vous rappelle que les sujets qui n'ont pas du tout de protéine ABCB6, qui sont donc de groupe sanguin rare LAN négatif, ils n'ont pas de phénotype clinique apparent. Or, il suffit d'une simple substitution d'un seul acide aminé dans cette protéine, ici en position 811, pour créer une pathologie qui peut être assez sérieuse, qui est le colobome oculaire, c'est-à-dire une malformation de l'iris, qui parfois d'ailleurs peut aboutir à la cécité dans des conditions extrêmes. Un autre exemple, je vous rappelle que les groupes sanguins rares JRA- n'expriment pas du tout la protéine qui est donc celle-ci, donc ici, ABCG2. Et là encore, il suffit d'une seule substitution d'acide aminé dans cette protéine pour conduire à une hyperuricémie qui peut être sérieuse. Et cette mutation est particulièrement présente au Japon. Alors maintenant, je vais vous parler de quelques nouveaux systèmes au groupe sanguin récemment découverts. Alors, 2020 et 2021 ont été vraiment deux années exceptionnelles pour les groupes sanguins, avec cinq nouveaux systèmes découverts depuis donc 2020.
qui sont CTL2, PEL, MAM, EMM et ABCC1. Alors, parmi ces 5, il y en a 4 qui ont été découverts grâce à nos équipes, donc au Centre national de référence pour, le groupe, donc pour les groupes sanguins que je dirige, et puis au sein de l'unité mixte de recherche 1134, où je pilote un groupe de recherche. Alors, je vais vous en présenter 3 de manière succincte aujourd'hui, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, qui sont CTL2, donc PEL et EMM. Alors, donc CTL2 est devenu le 39e système. Le gène est le gène SLC44A2, qui code pour une protéine qui est CTL2, qui est un transporteur de choline. Et de manière intéressante, cette protéine, elle porte aussi donc, le polymorphisme des polynucléaires neutrophiles HNA3AB. Donc, on a découvert donc pour ce système un nouveau phénotype nul qui porte le nom donc, de VER négatif, c'est comme ça, hein, ça a été acté par l'ISBT, qui correspond donc à une absence totale d'expression de CTL2, et je vais vous le montrer, donc c'est associé à un phénotype clinique. En fait, une équipe avait déjà travaillé avant nous sur des souris knock-out pour ce gène et avait montré qu'à partir du milieu d'âge de leur vie, donc vers 6 mois, eh bien, elles devenaient donc sourdes au niveau des deux oreilles. Donc c'est donc une surdité donc, qui est donc qualifiée de bilatérale et dans les aigus. Et on a retrouvé exactement le même phénotype chez l'homme, donc chez les sujets qui sont CTL2 nul, donc une surdité donc bilatérale qui est apparue vers l'âge de 30-35 ans, donc pour tous les sujets qui sont donc nuls. Et vous voyez ici donc l'audiogramme et ici donc après la correction avec un appareillage. Donc là, donc, le modèle murin se superpose au modèle homme. Alors, de manière intéressante et très intrigante, donc le propositus, qui est CTL2 nul, qui était suivi donc, par un neurologue au CHU de Grenoble, avec qui on a eu l'occasion d'échanger, cette femme a souffert dès l'âge de 30 ans d'anévrisme cérébraux géant et récurrent, mais vraiment des choses tout à fait impressionnantes. Même le neurologue a dit qu'il avait rarement vu ça. Et en fait, on pense que c'est probablement à mettre en lien avec l'absence de cette protéine, donc CTL2. Les recherches sont encore en cours. Alors, cette protéine est également très, très étudiée depuis 2 ans. Là, il y a eu un boom de publications dans le domaine de l'hémostase, puisque il existe en particulier un polymorphisme dans cette protéine qui a un lien avec la thrombose. Et donc, quand ces équipes, en particulier nos collègues français donc sur Marseille, ont appris récemment qu'il existait des sujets nuls pour cette protéine, eh bien, ils ont exprimé un fort intérêt d'étudier ces sujets, d'avoir des prélèvements sanguins pour faire des expérimentations complémentaires, puisque là, ils ont travaillé jusqu'à présent sur des souris knock-out. Alors, le 40e système, qui est donc le système ici donc mentionné, qui est donc le PEL. Le gène s'appelle ABCC4 et donc la protéine du même nom. Donc on a décrit un phénotype nul avec une absence complète d'expression de cette protéine. Alors il est restreint à ce jour à quelques familles canadiennes d'ancestralité française. Et on a pu montrer que ce phénotype rare, qu'on appelle donc le PEL négatif, est sujet à une altération modérée d'agrégation plaquettaire. Donc, on a publié ces travaux en 2020 dans Blood. Alors, cette protéine, c'est un membre de la superfamille donc des ATP transporteurs. Elle est également connue sous le nom de MRP4. Elle est impliquée donc, dans la multi-drug resistance et elle exporte de nombreux substrats à travers la membrane des cellules. C'est donc un détoxifiant. Elle est très utilisée en oncologie, puisqu'elle est impliquée dans la résistance à plusieurs agents anticancéreux, en particulier dans les leucémies aiguës lymphoblastiques. Et en fait, elle n'avait jamais été reliée à un groupe sanguin auparavant, et on ne pensait pas du tout que le phénotype nul puisse exister chez l'homme. Cette protéine, elle est très polymorphe, avec des gains de fonction ou des pertes de fonction. Et donc, les variants d'ABCC4 peuvent augmenter la toxicité ou causer des résistances à des agents anticancéreux, selon qu'on est donc en gain ou en perte de fonction. Donc, l'une des questions qu'on pourrait se poser, c'est que les sujets de groupes rares qui n'expriment pas donc ABCC4 pourraient être plus sensibles à la toxicité de certains anticancéreux. C'est une question qui reste encore ouverte. Enfin, le système numéro 42, EMM,
qui est codé par un gène qui s'appelle PIGG. Le produit est une enzyme qui s'appelle PIGG. Et le groupe sanguin rare s'appelle donc EMM négatif. Et là encore, donc, c'est un phénotype nul. Il n'y a pas d'expression de cette enzyme et c'est associé à des troubles neurologiques et un déficit intellectuel. Donc, on a publié ces travaux très récemment, début 2022, dans Blood. Et en fait, il existe des molécules, pardon, il existe donc des protéines qui, pour s'ancrer à la membrane donc des cellules, ont besoin d'une structure intermédiaire qu'on appelle donc le glycosylphosphatidyl inositol, le GPI. Sinon, elles ne peuvent pas s'accrocher. Et cette accroche se fait via une cascade complexe d'enzymes de type transférase hein, qui va donc en fait construire progressivement ce glycosylphosphatidyl inositol et permettre ensuite l'ancrage des protéines. Et en fait, la mutation se produit ici au niveau donc de cette enzyme qui est donc l'enzyme donc PIGG et qui devient absente. Et du coup, ça va perturber donc, cette synthèse. Et de manière notoire, il y a vraiment un déficit intellectuel, des troubles neurologiques et même parfois donc, des malformations au niveau de la face et des extrémités. Et pour terminer ma présentation, un tout petit retour en arrière. Je vais vous parler du 36e système de groupe sanguin qui porte le joli nom donc, d'Augustine. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, on a publié ça dans Blood en 2015. Et on a montré que le groupe sanguin rare Augustine nul correspond à un gène silencieux qui est le gène SLC29A1 et il induit l'absence totale d'expression de la protéine ENT1. Et ENT1 est un transporteur majeur de nucléosides et en particulier de l'adénosine. En fait, là encore, donc une équipe avait travaillé avant nous sur le sujet en produisant des souris knock-out pour cette protéine ENT1. Et de manière remarquable, ces souris âgées de 12 mois donc présentaient donc des calcifications très importantes au niveau de la colonne vertébrale. Et en fait, quand on a découvert une famille avec trois membres de la fratrie qui sont donc de groupe rare Augustine nul, ils n'ont pas d'expression de ENT1 et eux aussi sont atteints de minéralisation diffuse avec des calcifications relativement en fait importantes, avec beaucoup de troubles au niveau rhumatologique, semblables à la maladie de Forestier, ce qu'on appelle donc un Dish syndrome. Donc là encore, le modèle murin se superpose au modèle humain. Et de manière intéressante, ces sujets souffrent d'une macrocytose érythrocytaire, enfin, ils souffrent. Il présente une macrocytose érythrocytaire qui est quand même significative, au-delà de 110, qui était alors d'origine inexpliquée. Et on a travaillé sur le sujet, et ça c'est notre tout dernier papier, donc publié également dans Blood en 2021, qui a montré que cette protéine ENT1 jouait un rôle crucial dans l'homéostasie des nucléotides, mais également pour assurer une érythropoïèse optimale, ce qui explique pourquoi il y a cette macrocytose. On va dire qu'elle n'est pas tout à fait normale. Et en fait, l'absence d'ENT1 chez ces sujets de groupe rare Augustine nul, on a montré, là, c'était vraiment un incroyable hasard, qu'elle était compensée par une surexpression de la protéine qui est donc ABCC4, dont je vous ai juste parlé avant. Et donc, il existe une molécule antagoniste de cette protéine qu'on appelle MK571. Et l'une de nos conclusions de ce papier dans Blood, c'était que ça pourrait peut-être représenter une nouvelle piste thérapeutique pour traiter l'anémie. Donc, en fait, pour conclure, il nous reste encore beaucoup de travail dans notre laboratoire. On a encore beaucoup d'antigènes publics dont on ne connaît pas la base moléculaire. On a des dizaines de cas d'anticorps antipublics encore non résolus dans notre laboratoire et peut-être de futurs nouveaux systèmes de groupe sanguin. Je peux déjà vous dire qu'il y en a. Et avec d'autres phénotypes nuls potentiels, voilà, donc ça restera à déterminer. Donc pour conclure, donc la découverte d'un nouveau système de groupe sanguin, vous l'avez vu, peut avoir un impact bien au-delà de la médecine transfusionnelle. Et ceci est d'autant plus vrai en cas de découverte de ces fameux phénotypes nuls qui peuvent être assimilés à des human knockouts et qui représentent vraiment une ressource unique pour les laboratoires d'immunohématologie de référence, mais aussi pour la recherche médicale et la meilleure compréhension de certains mécanismes physiopathologiques. Je remercie toutes les équipes du CNRGS, donc de l'EFS, de l'INSERM, l'Université de Paris, le LabEx aussi, l'Institut Imagine, la plateforme de protéomique à l'Institut Cochin et tous les sujets qui ont permis de faire ces travaux. Et merci à vous pour votre attention.
beaucoup, Thierry. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à Michel? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thierry. C'était un très bel exposé et qui montre bien toutes les découvertes que votre équipe, à travers le LABEX, ont pu faire. C'est très novateur. Merci. Alors, j'avais deux petites questions un peu naïves. Tu ne considères pas le groupe sanguin bombé comme un groupe sanguin nul? Si, le phénotype bombé est un phénotype nul pour le gène qu'on appelle FUT1 et qui code pour l'antigène H, qui lui-même va permettre donc d'ancrer les sucres A et B. Donc c'est un phénotype nul, tout comme d'ailleurs le phénotype O, donc tout à fait classique, est un phénotype nul pour le système ABO. Parce que je ne sais pas justement, en parlant de phénotype bombé, à part le fait qu'on peut les transfuser qu'avec du sang bombé, c'est est-ce qu'ils ont un phénotype? Est-ce qu'ils ont un phénotype? Oui, oui, ils sont effectivement H négatif. Non, mais en termes de... Ah, est-ce qu'ils ont un phénotype clinique? Non, pas du tout. Non. Et deuxième chose, j'étais un peu surpris, quand tu parles des RH nuls, il me semble quand même qu'il y a des cas où il y a des anémies assez sévères. Alors, que ce que tu as annoncé. Alors nous, en tout cas, les quelques RH nuls qu'on a été amené à investiguer, donc là, je voudrais parler donc du seul donneur que l'on a qui est donc actif. Il a une hémoglobine aux alentours de 12,5, 12,6. Donc, bon, on va dire que ça va à peu près. Les autres sujets qu'on a pu investiguer, RH nul, il y en a finalement eu très peu. Hein. Moi, en fait, en 16 années dans ce laboratoire, on en a découvert, je crois, deux. Et on peut partir du principe que tous les individus qui sont groupés, que ce soit des donneurs ou des receveurs, sont phénotypés pour le grand D, grand C, grand E, petit C, petit E, donc on devrait les trouver. À notre connaissance, nous en tout cas, moi je n'ai pas vu d'anémie sévère. Après, il doit y avoir aussi peut-être des variations dans les phénotypes. Alors il existe en plus deux types de RH nuls, il y a les RH nuls de type régulateur et les RH nuls de type amorphe. Bon, bref, c'est de la génétique, mais il se peut aussi qu'il y ait peut-être une différence par rapport à ça. Alors, peut-être que les amorphes sont plus graves, j'en conviens, puisque là, c'est vraiment une délétion du gène D plus une mutation délétère dans le gène CE. Donc, oui. Ok, Nancy, il y avait une question. Nancy Claude. Merci de cette présentation, j'ai appris plein de choses. Ce n'est pas ma spécialité du tout, je dois dire, donc c'est toujours intéressant. Et ma question, c'est est-ce qu'on peut transfuser les RH nuls et avec quoi? Enfin, avec quel groupe? Alors, c'est une très bonne question. Donc, les RH nuls, tant qu'ils n'ont pas fait l'anticorps correspondant à leur phénotype rare, cet anticorps porte d'ailleurs un nom, c'est l'anticorps anti-RH29, eh bien, on peut dire qu'on peut les transfuser avec du sang standard, mais il y a un risque énorme qu'ils développent l'anticorps. Et quand l'anticorps est là, après c'est fini, on ne peut leur donner plus que du RH nul. Et le problème, c'est qu'il faut aussi respecter donc l'ABO. C'est pour ça que notre donneur qui est ARH nul, on aurait préféré qu'il soit O, puisqu'on aurait pu le donner à du A, du B, du AB et bien sûr du O. Mais oui, et en fait, pour toute la France, nous avons un stock qui est congelé donc à l'EFS de ce monsieur qui est de 8 poches congelées à moins 80, mais c'est le seul stock dont on dispose au niveau français. C'est très peu. Olivier. Merci Thierry pour ce très bel exposé. J'avais une question parce que Quand tous les groupes sanguins étaient découverts grâce à la génétique, en fait, et je me posais une question à l'inverse. Toi, là, j'ai une patiente, par exemple, qui a une macrocytose d'origine inconnue, qui a des malformations osseuses, qui ressemble pas tout à fait comme celui-là, mais je me dis, est-ce que ce ne serait pas intéressant, même provocatif, plutôt que de faire de l'exome, d'aller rechercher dans une banque de sang rare si cette patiente, elle n'a pas un déficit d'une protéine qui est déjà caractérisée dans les groupes sanguins pour déterminer qu'est-ce qu'elle a comme pathologie? Oui, c'est la stratégie en fait inverse qui est également effectivement très séduisante. D'ailleurs,
On collabore, comme tu le sais, avec l'Institut Imagine, où il y a une banque de données donc de génétique. Et c'est là qu'on a repéré qu'il y avait des gens qui avaient des mutations homozygotes et qui ont forcément un groupe sanguin rare, mais ils ne le savent pas. Mais on pourrait aussi faire effectivement ces stratégies effectivement inversées. Tout à fait. Michel, si on peut aller vite, on a une question Zoom après. Dernière question rapide. Justement, quand on est face à des groupes sanguins extrêmement rares, pour lesquels il y a un ou deux individus et qu'on a des problèmes de transfusion, est-ce que ce n'est pas là où la fabrication de globules rouges in vitro peut être le plus intéressant? Alors, c'est une excellente question. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler avec nos collègues donc d'Erifarm. Oui, c'est sans aucun doute l'indication qui est la plus pertinente, c'est la production de globules rouges rares. Mais tu arrivais de le dire, et tout à l'heure, donc je pense que M. Rousseau va également en parler, mais nous, on rêverait d'avoir effectivement donc des dizaines et des dizaines de poches au RH0, par exemple, dans les banques de sang rares dans le monde. Donc, ça permettrait de résoudre tous les problèmes de groupes rares dans le système RH qui sont très fréquents dans la population d'origine africaine et en particulier pour le support transfusionnel des drépanocytaires. Et donc, on est vite en situation compliquée. Donc, oui, c'est incontestablement une indication extrêmement intéressante, la culture de globules rouges in vitro. Merci. Yves, oui. Tu avais une question? Non. Alors, on passe à une question sur le chat, effectivement, que je vous lis. Existe-t-il des phénotypes particuliers de l'érythrocyte associés aux variations de la structure de l'hémoglobine, par exemple la drépanocytose? Est-ce qu'il y a une liaison entre les deux? Alors, ce n'est pas une liaison directe, c'est simplement qu'il y a une superposition, quand on regarde une carte du monde, entre la drépanocytose et les groupes sanguins rares. Alors, les groupes sanguins rares, tout dépend par quel prisme on les regarde. Effectivement, si je vous donne le nom d'un autre groupe sanguin rare qui s'appelle le groupe sanguin rare U négatif, si on raisonne sur la métropole française, eh bien, c'est un groupe sanguin qui est particulièrement rare, mais si on va vers l'équateur, en Afrique, on peut retrouver jusqu'à 10, 20, 30% de sujets qui ont ce groupe sanguin rare. Et donc, en fait, c'est une superposition. Donc, ce lien n'est pas direct. Ce n'est pas parce qu'on a une maladie de l'hémoglobine dans ce cadre-là que l'on va avoir un groupe sanguin rare. Ok, merci beaucoup. Si on a épuisé les questions. Merci encore Thierry pour cette présentation. Beaucoup. Très belle présentation. Merci à vous. Et nous accueillons maintenant Guillaume Rousseau. Guillaume Rousseau est ingénieur. Il est directeur de recherche, études et innovation à Erifarm. Et il va nous parler d'un sujet très en pointe, les globules rouges de culture. Merci. Permettre de. On essaie de relever l'écran pour voir le rapport correctement à distance. Je suis désolée de les manipuler, mais. Pardon. Très bien. Les adaptations étant faites, Monsieur Rousseau, vous avez la parole. Bonjour à tous. Alors, ça a fonctionné tout à l'heure. Ça ne fonctionne plus, je vais faire avec la souris. Donc, bonjour à tous. Je suis très heureux de participer aujourd'hui à la session et honoré de prendre la suite de ces prestigieux orateurs. Donc, aujourd'hui, moi, je remplace en tant qu'orateur le professeur Luc Douet, qui est le porteur historique du projet des globules rouges de culture, mais qui était empêché aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais vous parler donc d'une idée qui est née de son passé et de son présent, une idée qui est née dans les milieux scientifiques il y a une vingtaine d'années.
qui a tracé son chemin et franchi des étapes pas à pas dans les milieux académiques jusqu'à se confronter au début des années 2010 à une problématique alors insolvable qui était de la projection industrielle du concept. Cette idée-là, donc, ça a été le sujet de ma thèse et donc ensuite ça, on a continué à la porter mais dans un cadre entrepreneurial au sein d'Erifarm, dont M. Doué est aujourd'hui le président. Voilà. Et donc cette idée-là, voilà, c'est à partir de tout ce que l'on sait, de tout ce qu'on a appris sur les mécanismes naturels de régulation de l'érythropoïèse, est-ce qu'il ne serait pas possible finalement de reproduire cela, de récapituler toutes ces étapes ex vivo dans des machines? Et si on y arrivait, est-ce que cela pourrait ouvrir de nouvelles perspectives thérapeutiques? Voilà, donc c'est à ces questions que je vais essayer de répondre au cours de la présentation, en commençant par la première. Est-il possible de fabriquer des globules rouges de culture in vitro? Alors, vous vous doutez que c'est une question purement rhétorique, parce que sinon, je ne serais pas aujourd'hui pour vous en parler. Et je vais, au cours de cette première partie, rappeler les principales preuves de concept qui ont été amenées au cours du développement scientifique. Donc, d'abord, en 2002, la première preuve a été apportée avec la génération donc d'érythroblastes, donc de cellules qui n'avaient pas terminé leur maturation jusqu'au stade de globules rouges, à partir de cellules souches hématopoïétiques. Donc, ce qui était très intéressant, c'était que ces érythroblastes, lorsqu'on les a injectés dans la souris, une souris immunodéprimée, étaient capables de terminer leur maturation in vivo. Donc, ça confirmait donc que les cellules avaient bien été engagées dans la voie érythroïde à un niveau tout à fait compatible avec une fin de maturation. Simplement, on était bloqué ex vivo au stade d'érythroblastes. En 2005, la même équipe, donc, qui était l'équipe du professeur Doué, a montré qu'il était possible de terminer cette maturation ex vivo. Simplement, cela nécessitait de réaliser une co-culture sur cellules adhérentes. Donc, une co-culture, ça veut dire qu'en fait, les cellules érythroïdes sont mises sur un tapis de cellules, en l'occurrence des cellules stromales, qui participent, en mimant la niche médulaire, qui participent à amener les cellules jusqu'au stade énucléé mature. Donc, le problème des cellules adhérentes, c'est que c'est très compliqué industriellement de se projeter sur ce principe, et donc les gens ont essayé de se passer de ces cellules adhérentes. Et donc, en 2006, la preuve a été amenée qu'il était possible d'arriver jusqu'à l'énucléation sans les cellules adhérentes, en rajoutant dans le milieu de culture simplement du plasma. Simplement, on n'arrive pas, avec ces protocoles, à terminer complètement la maturation des cellules, et les cellules restent bloquées, entre guillemets, au stade de réticulocyte, c'est-à-dire une cellule déjà énucléée, mais à qui il reste quelques jours de maturation pour remodeler sa membrane et éliminer les organelles devenues inutiles. Donc, toutes ces preuves de principe ont été faites sur des cellules souches hématopoïétiques, mais au cours des dernières années, en particulier au début des années 2000, il y avait aussi beaucoup de travaux sur les cellules souches pluripotentes, et donc une des autres questions a été, est-ce qu'il est possible de reprendre également l'érythropoïèse, mais à partir de cellules plus primitives? Donc ça a été démontré en 2010, en montrant que donc à la fois à partir de cellules souches embryonnaires et de cellules souches pluripotentes induites, il était possible de générer des réticulocytes. Enfin, la dernière source envisagée, la preuve principale a été amenée en 2013, ce sont les lignées érythroïdes humaines. Donc en fait, les lignées érythroïdes humaines, ce sont des cellules qui sont immortalisées à un stade intermédiaire de maturité, donc en l'occurrence des érythroblastes assez précoces, un ajout d'un oncogène inductible qui permet de bloquer ces cellules à un stade, et simplement en enlevant donc, l'inducteur de l'oncogène, on est capable derrière de réengager les cellules dans la lignée érythroïde jusqu'au stade de réticulocyte. Alors là, c'est une sélection assez subjective des papiers qui me paraissent les plus essentiels, mais évidemment, c'est un sujet qui occupe de nombreux laboratoires académiques à travers le monde, et il y a bien d'autres papiers passionnants qui ont été publiés. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Alors là, c'est un protocole académique. En général, la culture cellulaire, ça se fait en flasque, surtout si ce sont des cellules en suspension. Ça dure à peu près 3 semaines. Les cellules sont mises dans un milieu de culture qui satisfait leurs besoins métaboliques essentiels. Donc, il y a des sucres, il y a des acides aminés, le pH est contrôlé. Voilà. Ce qui fait la spécificité d'une culture érythroïde, ce sont les cocktails de facteurs de croissance qu'on ajoute au milieu de culture et qui permettent d'engager sélectivement les cellules dans la lignée érythroïde et de stimuler leur prolifération. Voilà.
Donc, il y a évidemment l'érythropoïétine, le stem cell factor et l'IL-3 qui sont les trois facteurs de croissance clés dans les protocoles. Donc, c'est un procédé qui dure à peu près 3 semaines, qui est pour des chercheurs relativement simple, mais qui est déjà en fait assez compliqué à projeter industriellement du fait justement de cette stimulation dynamique, c'est-à-dire des facteurs de croissance qui sont nécessaires au début ne le sont plus à la fin, et ça, c'est difficile à faire. À partir de cellules souches pluripotentes, en fait, qui sont des cellules beaucoup plus immatures, eh ben, finalement, le problème est plus compliqué puisqu'il faut partir, il y a plus de chemin à parcourir. Et donc, ce chemin, il est possible de le parcourir, mais ça prend des semaines de plus avec des facteurs de croissance, des cocktails de facteurs de croissance assez compliqués. Et donc, in fine, ça peut prendre jusqu'à 1 mois et demi. Et aujourd'hui encore, c'est quand même quelque chose qui est très complexe et qui est bien moins maîtrisé. Donc, pour une application industrielle et thérapeutique, il faut d'abord se poser, prendre une décision qui est de dire quelles sont les cellules souches les plus prometteuses. Donc là, on voit un tableau avec les 4 cellules souches que j'ai présentées précédemment. Et sans aller dans le détail de toutes les caractéristiques et tous les critères, notre sélection, notre choix a été de sélectionner les cellules souches hématopoïétiques. D'abord, par rapport aux cellules souches pluripotentes, parce que c'est beaucoup plus facile et donc beaucoup plus réaliste à cultiver. Et par rapport aux lignées érythroïdes immortalisées, également parce qu'on est à un niveau de maturité et de connaissance de ces cellules bien supérieur, et ensuite parce que ces cellules ne présentent pas de risque oncogénique. Donc ensuite, une fois qu'on choisit la cellule souche hématopoïétique, il reste la question de la source de cellules souches hématopoïétiques. Les deux principales, ce sont le sang de cordon et le sang périphérique après mobilisation au GCSF. Donc ça correspond finalement à exactement le même protocole de collecte de cellules souches hématopoïétiques que dans le cadre de greffe. Et notre choix a été de choisir donc le sang périphérique pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il est possible d'avoir une sélection du donneur et donc potentiellement de sélectionner des donneurs d'intérêt. La deuxième, c'est que ces cellules souches étant adultes, eh bien, génèrent de l'hémoglobine adulte et donc est sans doute légèrement plus fonctionnel. Dans tous les cas, on a une très bonne productivité, c'est-à-dire qu'à partir d'une collecte, on est capable de générer plus de 100 poches de sang, ce qui est sans doute assez considérable. Donc, on peut fabriquer des globules rouges de culture in vitro, mais derrière, évidemment, ce qu'on a vu quand même déjà dans un modèle académique, on voit que le procédé est beaucoup plus compliqué et le produit sera plus cher qu'à partir des dons de sang. Rien ne peut être aussi simple que simplement de collecter un donneur volontaire. Donc, la deuxième question, c'est est-ce qu'il est possible que ces globules rouges de culture changent la donne en transfusion ? Donc, pour ça, on a des éléments pour prétendre que oui, et même des preuves qui ont été amenées au fil des années. La principale a été amenée en 2011, avec des données qui ont permis la publication dans Blood, avec une très grosse culture, au niveau artisanal, c'est une très grosse culture, de quelques millilitres de sang, qui pour partie ont été injectés à la souris, et pour partie ont été injectés en autologue à un donneur receveur volontaire. Donc, ce qui a été montré à l'époque, c'est, alors ça c'était plutôt une confirmation, mais il a été remontré que les globules rouges de culture, qui sont donc ressemblants de réticulocytes natifs, terminaient bien leur maturation in vivo. Alors, ça se voit avec l'évolution par microscopie de la forme de la membrane qui acquiert la forme biconcave bien connue. Ça se voit aussi à droite en cytométrie en flux, avec la perte progressive en haut du CD71, qui est donc quelque chose qui est présent chez le réticulocyte et qui ne l'est plus sur le globule rouge adulte, et en bas de l'ARN et de l'ADN, pareil, dont il reste quelques parties dans le réticulocyte et qui disparaissent au stade du globule rouge mature. La deuxième chose, c'est que ces globules rouges de culture sont fonctionnels, ou du moins ont une fonctionnalité comparable à celle de réticulocyte natif, à la fois en termes de déformabilité et de capacité de l'hémoglobine à lier et relarguer l'oxygène. Alors pour ça, ces trois points-là, ce ne sont pas vraiment des avantages, ce sont plutôt des prérequis à la transfusion. L'avantage, il vient là, c'est en fait la durée de vie des globules rouges de culture. Alors ça peut se comprendre, même si ça paraît un peu paradoxal, mais c'est en fait ça qui est le cœur de l'avantage. Les globules rouges de culture, par nature, sont des globules rouges qui viennent juste dénucléer, donc ils sont tout jeunes, et ils ont donc toute leur vie devant eux. À l'inverse, lorsqu'on fait une collecte de sang, on a une population inhomogène de cellules,
qui pour partie sont en bout de course, pour d'autres sont naissantes, et du coup, en termes de demi-vie moyenne, ont une espérance de survie in vivo plus courte. Alors ça, c'était une théorie. Ça a été démontré en 2011 avec un marquage au chrome, avec une certaine incertitude liée à la méthode, mais qui permettait quand même de valider que les globules rouges de culture avaient une durée de vie allongée par rapport aux globules rouges natifs. Donc voilà les trois points, les quatre points essentiels qui ont été montrés en 2011, et ça, ce sont pour les avantages qualitatifs. Ensuite, il y a des avantages conceptuels. Alors d'abord, du fait de cette capacité à potentialiser des donneurs d'intérêt, c'est-à-dire à produire plus de 100 poches de sang à partir d'un seul don de cellules souches, ça nous permettrait de banquer des phénotypes d'intérêt et avoir en permanence du sang compatible. Et ensuite, eh bien, toutes les idées sont bonnes pour aider à pérenniser le système de la transfusion, et on sait qu'avec le vieillissement de la population, ce sera potentiellement de plus en plus compliqué. Donc, c'est une idée qui peut contribuer dans ce cadre. Voilà une slide de synthèse, donc les deux idées forces, la potentialisation des donneurs sélectionnés et un produit amélioré par rapport aux produits issus du don de sang, devrait nous permettre d'espacer les transfusions et d'avoir des transfusions mieux adaptées phénotypiquement, ce qui, in fine, se traduira par moins d'immunisation, moins d'infection, moins de surcharge en fer et moins d'hospitalisation. Donc, nous avons de nombreuses raisons d'espérer que la transfusion de globules rouges de culture devrait être plus efficace que celle de globules rouges issus de don. Et une question qui vient tout de suite est à qui la destinée ? Donc là, finalement, j'ai de la chance de faire suite à Olivier Hermine parce qu'il a très bien introduit certains des problèmes. Donc, nous pensons que la première indication de notre produit sera les patients transfusion dépendants. Ces gens-là, donc, c'est un peu une redite, mais ce sont des gens qui dépendent de la transfusion pour vivre, pour survivre, qui peuvent être transfusés plusieurs fois jusqu'à une fois par mois, qui peuvent utiliser des dizaines de poches de sang dans une année, et qui en fait sont de très gros consommateurs de sang. Voilà. Et du coup, ils ont aujourd'hui un produit qui est le globule rouge issu du don. Simplement, ils ont également toutes les complications associées à la transfusion. Et là, une fois encore, c'est une redite, mais il y a des problématiques d'alloimmunisation, des problématiques de surcharge en fer qui impliquent d'avoir des traitements à vie, des risques d'infection qui sont augmentés, et in fine, une qualité de vie largement dégradée. Je crois que les photos de tout à l'heure était un plus bel exemple que ces éléments-là, avec une espérance de vie qui est encore largement amoindrie par rapport à la population normale et qui traduit de tout le potentiel d'amélioration du standard de soins. Donc, c'est à ces patients-là que nous comptons destiner notre produit. Alors, il reste quand même une question centrale, et même donc c'est de s'intéresser aux aspects médico-économiques. Voilà. Est-ce que c'est viable ? Des globules rouges de culture pour la société. Et ces questions de viabilité médico-économique, elles sont très importantes aujourd'hui et très discutées dans un certain nombre de nouvelles thérapies, en particulier en thérapie cellulaire. Donc, c'est en particulier à ces questions auxquelles on s'attaque au sein d'Eripharm. Donc, Eripharm, qui nous sommes une spin-off du laboratoire historique du professeur Douai, dont il est aujourd'hui notre président. Aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes, les trois quarts à peu près en R&D. Et notre mission, c'est de transformer ces globules rouges de culture en une réalité tangible, robuste et viable pour la transfusion, en complément du don de sang. Donc, comme je le disais en introduction, la plupart des laboratoires académiques sont aujourd'hui confrontés et n'arrivent pas à contourner la problématique de l'industrialisation. Et pour essayer de vous exprimer l'amplitude, la difficulté du problème, j'ai pris quelques chiffres qui, à mon avis, l'expriment bien. Vous devez tous être à peu près au courant du développement des CAR-T-cells autologues, donc c'est quelque chose qui fait beaucoup parler et qui est très enthousiasmant en ce moment. Simplement, en termes de chiffres, des CAR-T-cells, la dose clinique, c'est à peu près 100 millions de cellules, et aujourd'hui, c'est vendu à autour de 400 000 euros, donc à un extrême. Et à l'inverse, nous, on veut être concurrentiel avec le produit issu du don, qui est composé de l'ordre de 2 000 milliards de cellules, donc on parle de 20 000 fois plus de cellules, et qui aujourd'hui est vendu aux hôpitaux pour 200 euros. Voilà. Donc là, ce qu'on voit et ce qui transparaît, même si la CAR-T-cell est un peu un cas extrême, ce qui transparaît, c'est que les technologies qui existent aujourd'hui pour faire de la culture cellulaire ne sont pas adaptées à notre application. Et donc, nous faisons face à un challenge sans précédent.
qui est du progrès technique. Il y a besoin d'une innovation de rupture pour satisfaire ce projet. Donc, ici, vous avez une vision assez globale de comment on s'y prend. Le cœur de notre innovation se situe au centre, hein, dans la production de masse. Au départ, ce sont des choses qui sont assez traditionnelles. On collecte des cellules souches chez des donneurs, on peut les congeler et les stocker indéfiniment. Ensuite, on les décongèle et il va y avoir deux étapes de culture en bioréacteur. Une première étape qui sert en fait à engager les cellules souches hématopoïétiques dans la lignée érythroïde et une deuxième étape qui sert en fait à continuer l'expansion, mais de façon très intensifiée, très concentrée dans la production de masse. À la fin de cette production de masse, on a une population impure qui contient encore, disons, à peu près 25% de cellules nucléées, ainsi que des noyaux, ainsi que un certain nombre d'intrants biologiques et chimiques qu'il va nous falloir purifier. Donc ça, c'est une étape de purification du produit, puis concentrer, formuler et derrière donc distribuer par sans doute les canaux de distribution habituels nationaux. Donc, quelques chiffres pour montrer les progrès qui ont été permis par notre technologie dans ce tableau. Donc, sur la première ligne, vous voyez les procédés de culture cellulaire traditionnels. Traditionnellement, la culture cellulaire, ça s'opère en batch. Un batch, ça veut dire qu'en fait, on met des cellules dans un grand réacteur et tous les quelques jours, on renouvelle l'ensemble intégralité du milieu. Le problème de cette façon de faire, c'est qu'on est limité en concentration cellulaire, à quelques millions de cellules par millilitre, et la conséquence, c'est qu'il faudrait donc des bioréacteurs de taille gigantesque, de 60 mètres cubes, ne serait-ce que pour faire 100 unités. Alors ça, c'est absolument irréaliste, industriellement, ça n'existe pas à ces niveaux-là. Et en plus, en termes de coûts, on aurait un produit autour de 340 000 euros. Donc, on imagine bien que ce sont des chiffres rédhibitoires. En fait, dans ces coûts, il y a à peu près 99% qui sont dus aux protéines. Les protéines, ce sont donc notamment les facteurs de croissance qui sont ajoutés au milieu de culture pour engager, stimuler la croissance érythroïde. Donc, ce à quoi nous avons travaillé, c'est à réduire ces coûts-là. Et nous avons développé une technologie qu'on a appelée Ericult, qui permet à la fois de concentrer les cellules à plus de 100 millions de cellules par ml, et en conséquence, c'est une diminution du volume des réacteurs, et ensuite d'économiser plus de 95% des protéines, ce qui permet déjà de diviser les coûts de à peu près 20 fois, ce qui est considérable, et d'atteindre 15 000 euros par culot. Donc 15 000 euros, c'est encore bien trop élevé. Mais il y a un deuxième levier, et ce levier, c'est celui de la projection industrielle de la fourniture des matières. En fait, les matières aujourd'hui, on les achète en qualité R&D. Il y a des choses qui sont vendues et qui sont même produites à l'échelle mondiale, à l'échelle de quelques milligrammes, de quelques grammes, et qui peuvent valoir jusqu'à des millions d'euros le gramme. Voilà, ça n'a de sens qu'eu égard au volume. Si on se projette sur une projection industrielle, et on l'a fait sur matière après matière, on peut aujourd'hui avoir l'espoir de produire pour à peu près 1500 euros par culot. Alors, par rapport à 340 000, on a fait beaucoup de chemin, mais 1500 euros, c'est encore bien au-delà de 200 euros. Est-ce qu'il y a quand même une application possible? Et en fait, la valeur d'un médicament se mesure en fonction de sa valeur clinique, bien sûr. Et donc, pour arriver à évaluer le potentiel de prix de notre produit, il faut faire des hypothèses. Donc, on les a fait dans le cadre du traitement annuel de la bêta-thalassémie. Donc, il y a des études qui existent pour chiffrer ce que vaut le traitement annuel de la bêta-thalassémie, par exemple. Aux États-Unis, c'est à peu près 130 000 dollars par an. Il y a la moitié qui sont dues à la chélation du fer, à peu près 30% qui sont dues à la transfusion. Donc, c'est ce qu'on voit dans le graphique de gauche, dont simplement 8 400 dollars qui sont dus au culot en tant que tel. Voilà. Donc, avec l'hypothèse que les globules rouges de culture permettent de diminuer par deux le rythme de transfusion, on devrait avoir deux fois moins d'unités de sang transfusées, deux fois moins d'hospitalisation, deux fois moins de surcharge en fer, deux fois moins de screening, ce qui fait que tous ces coûts-là se retrouvent réduits, ce qui laisse de la place, entre guillemets, au coût des globules rouges de culture en tant que tels. Et donc, avec ces hypothèses-là, on aurait un prix d'équilibre de 2600 dollars par culot. Voilà. Donc, et ceci, c'est sans compter tout le service médical rendu additionnel, qui sont l'amélioration de la qualité de vie des patients, la diminution des risques d'infection et d'alloïmunisation. Donc ça a une valeur. On ne sait pas aujourd'hui la quantifier précisément. Simplement, et là encore, en faisant résonance à la première présentation, dans le cas du luspatercept, ils se sont posés ces questions. Le nom commercial, c'est le Reblozyl du luspatercept, et en fait c'est vendu, alors ça dépend des pays, mais c'est vendu à partir de 110 000 et jusqu'à plus de 200 000 dollars par an par patient aux États-Unis pour une preuve de réduction de 20%
des besoins en sang. Donc on voit qu'il y a encore une grosse marge de prix associée effectivement à cette amélioration de la qualité de vie. Donc il nous semble aujourd'hui que les éléments économiques du projet sont justifiés et très rapidement, quelles sont nos prochaines étapes? Donc aujourd'hui, ça fonctionne. Là, vous avez une photo à gauche de notre dernière production. Enfin, c'était en septembre. On avait produit l'équivalent d'une demi-poche de sang. Notre prochaine étape, c'est de faire une montée en échelle du procédé pour être en capacité de produire une poche par lot dans un environnement BPF qui soit compatible avec la réalisation d'essais cliniques et précliniques. C'est ce que nous ferons tout de suite ensuite, c'est-à-dire les essais précliniques, les essais cliniques de phase 1 pour démontrer la sécurité du produit et valider la durée de vie allongée des globules rouges de culture qui permettront de confirmer le potentiel du globule rouge de culture. Et puis derrière aussi, anticiper, continuer le développement du procédé de production industrielle, puisqu'à chaque montée en échelle, il y a des nouveaux enjeux de procédés qui se posent. Donc, dans le futur, voilà à quoi ça pourrait ressembler. D'abord, une collecte des cellules souches dans les centres spécialisés, les unités de thérapie cellulaire. Derrière, une phase de production industrielle, donc ce seraient des grandes usines qui aboutiraient à démultiplier le potentiel de ces cellules souches qui, derrière, seraient distribuées au sein des hôpitaux et à la lumière des démonstrations d'efficacité des essais cliniques que les transfuseurs pourront s'approprier de façon idoine. Voilà, donc j'ai terminé pour la présentation. Je vous remercie et je suis disposé pour vos questions. Merci, ça ouvre de belles perspectives. J'ai une question liminaire avant les questions qui sont posées en Zoom que je vais aborder. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'augmenter encore la durée de vie des érythrocytes en culture, passer de 57 jours à plus, pour diminuer le nombre de transfusions, le coût, etc., etc. On n'a pas encore d'idée particulière pour augmenter. On pense effectivement que si on a des réticulocytes en bonne santé, ils auront finalement la demi-vie potentielle maximale de ce produit-là. Autrement, il faudrait envisager, je ne sais quoi, des approches de modification génétique, des différents facteurs de transcription qui régulent la durée de vie de ces cellules, mais ce n'est pas des sujets sur lesquels on s'intéresse pour le moment. Okay. Je vais juste passer la parole. Oui, pardon, Bruno. Merci. Oui, j'avais une question. Bravo d'abord pour cette présentation. J'avais une question concernant le statut réglementaire. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu des discussions avec les autorités sur le développement de ce type de produit? Alors, des discussions, on va dire, préliminaires. La première question qu'on a, nous, c'est la classification du produit. Alors, ça a des impacts sur les aspects réglementaires. Pour le moment, ce qu'on a eu comme premier retour, mais c'est des sujets, en fait, qui ne font pas consensus, je crois, c'est que le globule rouge de culture serait considéré comme les plaquettes de culture qui ont eu un avis il y a quelques années que, comme elles ne disposaient pas de noyau, elles n'étaient pas des cellules et donc elles ne pouvaient pas entrer dans la catégorie des MTI, des ATMP, alors en français c'est médecin de médecine thérapique innovante. Voilà, donc ça serait plutôt un médicament biologique, ce qui a des impacts dans la réglementation applicable notamment, mais encore une fois c'est préliminaire. D'accord. Yves Huillet. Oui, merci et félicitations pour votre exposé très, très clair pour des non-spécialistes. Ma question, c'est comment vous situez en matière de concurrence? Est-ce qu'il y a d'autres équipes qui travaillent comme vous et si oui, à quel stade en sont-ils et comment vous voyez les choses? Alors, oui, il n'y en a pas tant que ça. Et la réponse que moi j'ai, c'est que la plupart des équipes académiques qui ont essayé de travailler sur le sujet et qui ont réussi à maîtriser pour partie tous ces phénomènes de différenciation et d'expansion, encore une fois, les compétences qui sont dans ces équipes, ce ne sont pas des compétences industrielles. Voilà. Et en l'occurrence, en général, si c'est simple, ils vont y arriver, puisque finalement, ils vont être aiguillés par les fournisseurs qui vont leur dire utilisez cette technologie et ça va fonctionner. Le problème, et donc c'est ce que j'ai essayé de montrer avec l'exemple des CAR-T-cells, c'est que les technologies qui existent aujourd'hui ne sont pas compatibles avec une production de globules rouges à un prix qui soit raisonnable. Voilà. Donc en fait, il y a vraiment une barrière technologique à lever. Moi, j'ai fait ma thèse dessus. On avait eu des résultats très prometteurs. C'est ça qui a permis la création de la société. Dans les laboratoires académiques,
on n'a encore jamais vu de preuve que les gens avaient réussi à franchir cette barrière. Donc, on suit les publications, on suit évidemment les brevets également. Et pour le moment, ce qu'on met en œuvre ne semble pas repris ailleurs. Alors, donc ça, c'est pour vraiment le globule rouge de culture à destination de la transfusion. En revanche, il y a des gens qui ont des approches différentes et qui veulent utiliser le globule rouge de culture comme transporteur de médicaments, ou en l'occurrence, pas vraiment transporteur de médicaments, mais acteur, enfin, dans l'immunothérapie. Donc, il y a une société à Boston qui s'appelle Rubus, qui prend des pareils qui partent de cellules souches hématopoïétiques, qui intègrent un gène pour modifier la membrane de ces cellules. Et c'est en exprimant justement donc de l'IL-2, enfin un certain nombre d'anticorps de membrane, ils vont essayer d'être acteurs dans de l'immunothérapie en cancérologie. Voilà. C'est plus compliqué en termes de process parce qu'il faut rajouter une étape de transcription génétique. Donc ça rajoute quand même de la complexité. En revanche, la dose clinique et la valeur pharmaceutique est acquise à des doses de produits beaucoup plus faibles. Et donc, in fine, peut-être que la rentabilité du produit est meilleure. Voilà. Simplement, nous, on ne s'est pas lancé dans cette voie. D'abord parce qu'on est passionné par le globule rouge pour la transfusion. Ensuite, parce que les compétences également de modification génétique, on ne les avait pas à l'origine. Pour la transfusion, donc vraiment notre application, il y a deux sociétés dans le monde pareil qui se sont développées et qui essayent de se financer, mais qui sont encore à des stades assez immatures. Olivier, Olivier Hermine. Très joli topo. En termes d'hémoglobine, vous avez des hémoglobines adultes dans vos cultures, et finalement, quand je t'écoute, vous êtes revenu en fait à ce qu'on faisait au début de votre première, finalement, c'était les premières technologies qui, finalement, à la fin, les cellules souches périphériques avec du sérum. Alors, vous utilisez du plasma humain, c'est ça, ou oui. Aujourd'hui, d'accord. Et quand vous faites les différents sérums de vos fœtales, de plasma humain, est-ce qu'il y a des différences ou pas? Alors, on n'a pas cherché à substituer le plasma humain par un sérum d'origine animale parce que, d'un point de vue réglementaire, on pense que ça ne sera que plus compliqué. Donc, ça ne fait pas partie de nos axes de recherche particulièrement. On s'intéresse à la substitution pure et simple du plasma. Ça, c'est un sujet, on va dire, central et un graal. Simplement, en partant, ça existe dans tout un tas d'applications de thérapie, enfin, en tout cas de culture cellulaire, mais c'est très rare qu'on y arrive à partir de cellules primaires. Quand on utilise des lignées qui sont utilisées dans beaucoup de productions de protéines thérapeutiques, d'anticorps monoclonaux, par exemple, ce sont des cellules qu'on peut habituer à l'absence de plasma, de sorte que derrière, on n'a plus besoin de plasma. Nous, c'est des cellules qui sont primaires, donc en fait, on n'a pas le temps de les habituer à l'absence de plasma et elles en ont besoin. Donc, on est un peu bloqué pour le moment sur ce sujet-là, mais on a la vie devant nous pour arriver à lever cet obstacle supplémentaire. Parce qu'en fait, les nucléations, elles se font indépendamment des macrophages dans le système avec le sérum que vous rajoutez, c'est ça? Oui. Oui. Il y a des gens qui, justement, travaillent à démontrer que les macrophages participent, et ça a été démontré en 2019, un joli papier anglais qui a montré que en faisant une coculture sur macrophages, effectivement, on arrivait à avoir des cellules matures. Mais cette coculture-là, industriellement, elle nous paraît irréaliste, donc on n'est pas parti dans cette voie-là non plus. Et vos réticulocytes, après, vont subir une maturation in vivo, enfin, ce que vous pensez? C'est ça. Bah, c'est ce qui a été démontré en 2011. Alors, c'était sur un savoir-faire artisanal. Aujourd'hui, on fait les choses différemment. Et c'est ce qu'on espère pour redémontrer dans le premier essai clinique. Michel, et puis après, on aura une dernière question en Zoom. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement clair, extrêmement prometteur. On espère que vous allez réussir à faire de l'industriel. Et justement, moi, j'ai une question un peu naïve à ce niveau. J'imagine que vous avez une première phase d'expansion liée à la présence de l'IL-6, du stem cell factor ou d'autres facteurs, et puis ensuite, une phase de différenciation liée à l'érythropoïétine. Est-ce qu'il y a un moment pendant cette culture où vous pouvez dire que toutes les cellules sont engagées vers la lignée érythroblastique? Et si c'est le cas, est-ce que ça ne serait pas peut-être plus judicieux de considérer que le meilleur des fermenteurs, c'est l'homme, et que si vous prenez des cellules qui sont déjà engagées, mais qui n'ont pas encore énucléé, est-ce que on peut imaginer de les transfuser et d'obtenir l'expansion in vivo chez l'homme?
Alors, c'est une question inattendue, mais qui personnellement m'intéresse beaucoup parce que une des problématiques du développement de notre produit, c'est de démontrer la rentabilité entre les aspects médicaux, lever les doutes sur les aspects médico-économiques. Et plus une culture dure longtemps, et plus le produit coûte cher, évidemment. Donc, on a eu cette idée, c'est-à-dire de se dire pourquoi pas s'arrêter à un stade plus immature, donc d'érythroblastes à un stade de pro-érythroblastes, par exemple, et d'injecter cela. Alors, nous, on y a pensé dernièrement. C'est une idée qui existe également au niveau académique, qui est supportée par Anarita Migliaccio, qui fait partie des équipes de recherche qui travaillent sur le sujet, qui a pas été beaucoup testé en clinique. Voilà. Il faudrait bien sûr le valider le potentiel en clinique. Et en 2002, ce qui a été montré quand même, c'était qu'en injectant des érythroblastes chez la souris, ces érythroblastes terminaient la maturation. Donc c'était une forme de preuve. Simplement, c'était une souris qui était immunodéprimée et dont la rate avait été remplie pour être désactivée, entre guillemets. Donc il y a des doutes. Il y a des doutes sur le devenir de ces cellules. Si ça fonctionne, ça permettrait d'avoir un produit quasiment équivalent, c'est-à-dire que l'hémoglobine ne serait pas amenée tout de suite, mais sous quelques jours, mais dans le cadre de patients transfusion dépendants, ça ne poserait pas un problème fondamental. Mais il faut encore apporter la preuve, effectivement, que ça fonctionne et que les érythroblastes ne génèrent pas de problème de réaction immunitaire et ne sont pas trappés dans la rate. Voilà. Donc, c'est un axe de développement qu'on envisage. Oui. Ok, je vais juste donner la parole à nos collègues qui sont en distanciel, en Zoom, avec une question de Daniel Vassement, qui se demandait s'il y avait un risque ou un risque potentiel d'hémolyse lié à la production artificielle in vitro de ces globules rouges. Alors, ça dépend à quel stade. Je pense qu'on parle de l'hémolyse après injection. Oui, tout à fait. Oui. Et ça, ce seront les essais cliniques qui nous diront. On n'a pas de réponse a priori. On croit dans la qualité de nos cellules. Simplement, au bout d'un moment, c'est la clinique qui fait la preuve avec des injections de doses croissantes pour ne pas prendre de risques ou le moins possible et apporter les éléments les uns après les autres. A priori, il n'y a pas de risque identifié. A priori, j'entends. Non. D'accord. Sa deuxième question, c'est vous avez discuté avec des spécialistes de l'EFS. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Peut-être que Thierry peut aussi intervenir. Comment ils voient l'arrivée d'un tel produit, d'un tel médicament, que ce sera un médicament à vrai a priori? Je ne veux pas répondre pour eux. Je pense qu'il y a une part d'enthousiasme, une part d'incertitude aussi. Ce que disait Thierry tout à l'heure, c'était qu'ils sont très demandeurs de solutions pour les groupes sanguins rares. Ouais. Le problème de notre côté, c'est qu'en fait, c'est un petit volume de marché. Et on va parler quand même, si le projet arrive au bout, de centaines de millions d'euros d'investissement pour apporter la preuve et mener le développement jusqu'au bout. Ça n'est pas compatible avec un petit volume de marché, malheureusement. Et donc, c'est pour ça que, par ailleurs, on est convaincu que dans le cadre des patients transfusion dépendants, qui sont des bien plus gros consommateurs de sang, là, on a quelque chose qui justifie un investissement sur le long terme. Merci beaucoup. On a été un peu long et le temps passe. Merci pour cette intervention. Et on passe, je me fais un plaisir de présenter l'intervention suivante. Il s'agit de Salima Hassan-Behabina qui va nous rejoindre pour nous parler de la thérapie génique des hémoglobinopathies. J'en profite pour gagner quelques secondes pour remercier Monsieur le Président et les membres, mesdames et messieurs, donc de l'Académie. Donc, merci de m'avoir invité à faire cette présentation dans le cadre de cette séance thématique. Je vais effectivement vous parler de thérapie génique des hémoglobinopathies et je remercie Olivier d'avoir fait cette introduction qui nous fait à nouveau gagner quelques... Alors. Il y a un temps de latence, d'après ce que j'ai compris, voire même une période réfractaire. Ou un incident. Si tu peux penser à te reculer un peu, tout le distanciel Zoom te verra parfaitement.
Merci, c'est pas. Ah, voilà, c'est donc, bien. Ce n'était pas un incident. Non, non. C'est l'âge. Donc, voilà, donc on va avancer. Alors, je vais passer très vite. Je vais même passer sur cette diapositive, puisque la physiopathologie des hémoglobinopathies a été largement discutée tout à l'heure. Et on a bien compris que la forme la plus sévère de bêta-thalassémie était la forme dépendante des transfusions. On a également bien compris que les risques chez les patients drépanocytaires étaient les risques de crise vaso-occlusive, de syndrome thoracique aigu, enfin d'atteinte multiviscérale, et que la qualité de vie, on l'a répété à plusieurs reprises depuis tout à l'heure, la qualité de vie de ces patients est très dégradée en raison donc, et des complications et de contraintes liées donc, aux transfusions. Les thérapies, les traitements de fond ont également été discutés. Le rôle joué aujourd'hui dans l'arsenal thérapeutique, rôle joué par le luspatercept, a également été bien présenté tout à l'heure. Sinon, le traitement curatif et la greffe de cellules souches hématopoïétiques, et Olivier a bien indiqué que seule une petite fraction des patients peuvent bénéficier d'un donneur HLA identique. Pour tous les autres patients, il était effectivement important, urgent, d'essayer de mettre au point des thérapies alternatives, des thérapies curatives. Le premier médicament thérapie génique qui a été autorisé, donc médicament de thérapie innovante, il a obtenu le statut de MTI il y a quelques années, et le bétibéglogène autotemcel ou béticel, qui est en fait qui consiste en une greffe autologue de cellules souches hématopoïétiques génétiquement modifiées par un vecteur lentiviral qui a été développé, comme on le verra tout à l'heure, par la société, enfin par Philippe Lebouche et la société Bluebird Bio. Alors, très rapidement, une introduction hein, pour situer, on parle de thérapie génique des hémoglobinopathies bêta, mais en introduction, j'ai pensé donc refaire un bref historique de la place et du développement au cours des deux dernières décennies de la thérapie génique, des stratégies de thérapie génique pour traiter les maladies héréditaires. Alors, essentiellement, d'ailleurs, les maladies héréditaires du système hématopoïétique, du système lympho-hématopoïétique. Figure sur cette diapositive différentes stratégies. Je vais laisser de côté la thérapie génique in vivo qui ne concerne pas vraiment la problématique de la correction des lignées lympho-hématopoïétiques. Et on va s'intéresser à la partie droite de la diapositive et donc des stratégies qui ont été développées depuis deux décennies qui sont des stratégies de thérapie génique ex vivo, qui se sont basées sur l'utilisation de vecteurs intégratifs, puisqu'il s'agit de maladies héréditaires génétiques qu'il faut traiter de façon définitive, et qui s'appuient donc sur des vecteurs intégratifs, rétroviraux ou lentiviraux, et récemment qui s'appuient également sur les nouvelles stratégies de gene editing, de correction génique ciblée, essentiellement avec le système CRISPR-Cas9. Alors, toujours dans le principe, hein, pour rester sur ce principe général, les maladies lympho-hématopoïétiques doivent être génétiques, héréditaires, doivent être traitées de façon définitive. Il faut donc transférer une copie fonctionnelle du gène déficient dans les cellules souches ou progénitrices de la moelle osseuse. Ce vecteur, une fois intégré, va pouvoir être intégré dans la cellule souche, va pouvoir être distribué, se retrouver dans toutes les cellules différenciées issues de cette cellule souche caractérisée par sa capacité d'auto-renouvellement et sa capacité de différenciation dans toutes les lignées hématopoïétiques. Donc, ce principe ne concerne pas que le traitement des hémoglobinopathies, le traitement de la lignée érythroïde, mais le traitement de toutes les lignées hématopoïétiques. Alors, on en vient au premier essai, au premier vecteur, l'antiviral, développé, qui a été utilisé dans un essai thérapeutique, le premier vecteur utilisé en thérapie génique ex vivo, il y a plus de 20 ans maintenant, qu'il a été développé par Philippe Lebouche et son équipe, qui avait créé une petite biotech Genetics Pharmaceutical, qui s'est transformée donc en Bluebird Bio,
la biotech donc, qui est cotée au Nasdaq aujourd'hui. Ce vecteur origine parental hein, qu'on voit à l'écran, vecteur HPV, est un vecteur lentiviral qui a été, qui est dit self-inactivé, dans lequel les séquences enhancers potentialisatrices des LTR viraux ont été inactivées de façon à réduire les risques de mutagénèse insertionnelle, donc dans un objectif de sécurité. On voit que dans ce vecteur, l'équipe n'avait pas choisi l'option d'utiliser la version sauvage du gène de la bêta-globine, mais plutôt une version mutée dans laquelle un des codons a été remplacé par un codon qui possède donc des propriétés anti-drépanocytaires, donc qui limite la polymérisation de l'HBS. Et donc, ce qui permet d'utiliser ce vecteur dans le traitement des thalassémies bêta, mais également dans le traitement de la drépanocytose. L'autre avantage, c'est que ce vecteur, cette chaîne globine thérapeutique reconstituée, peut être identifiée, c'est un biomarqueur in vivo, après reconstitution chez les patients, puisqu'on peut faire la distinction par HPLC entre cette chaîne reconstituée et l'hémoglobine A issue des transfusions ou l'hémoglobine A endogène chez les patients qui ont encore une production d'hémoglobine A. Dans ce vecteur, le gène bêta est sous le contrôle transcriptionnel de son propre promoteur. Alors, quels étaient les objectifs? Quels sont toujours d'ailleurs les objectifs dans les essais qui sont mis en place pour traiter les thalassémies dépendantes des transfusions? L'objectif, le critère, l'objectif principal pour pouvoir juger de l'efficacité du traitement est de pouvoir atteindre l'indépendance transfusionnelle chez les patients qui se définit comme un taux d'hémoglobine supérieur à 9 grammes par décilitre pendant un an en l'absence de transfusion. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la greffe autologue reste une greffe de cellules souches hématopoïétiques et les résultats de la greffe allogénique chez l'homme suggéraient, et les résultats chez la souris également, suggéraient qu'un chimérisme modéré de l'ordre de 20 à 40% de cellules issues du donneur permettait d'atteindre l'indépendance transfusionnelle chez les patients. Donc, en transposant à la situation donc, de thérapie génique, l'objectif était également d'obtenir un chimérisme, ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas de cellules de donneur, mais de cellules génétiquement modifiées, corrigées, que l'on retrouve en périphérie, donc un taux de transduction en périphérie dans les cellules nucléées qui soit suffisant. Et pour atteindre ce taux de transduction suffisant et une prise de greffe des cellules corrigées suffisamment importante, eh bien, il faut que l'efficacité de la transduction du greffon soit élevée. Il faut que la dose de CD34 de cellules souches soit importante, soit suffisante. Ça rejoint la question de la greffe allogénique. Et il faut que le degré de myéloablation soit également suffisant pour permettre une prise de greffe. Alors, très rapidement, cette diapositive, simplement pour faire un petit retour en arrière de l'époque où nous avons initié à l'hôpital Necker, au département de biothérapie, à l'unité de thérapie génique. Donc, vous voyez la date, 2003, nous avons initié avec l'équipe de Philippe Lebouch, nous sommes rentrés dans cette aventure. Nous avons mis au point, évidemment, toute la preuve de concept avait été faite par l'équipe de Philippe, Yves Bezard, Emmanuel Payen. Nous verrons effectivement à la fin les personnes impliquées. Les étapes translationnelles ont été faites à Necker et bien sûr la mise au point du processus de production clinique. Nous en étions au balbutiement à cette époque-là, j'insiste, entre 2003 et 2006, avant l'obtention de l'autorisation du premier essai clinique LG001 pour l'inclusion du premier patient. Alors, il y avait des contraintes à cette époque. Aujourd'hui, rétrospectivement, on se dit qu'évidemment, c'est normal. Il s'agissait du premier vecteur lentiviral, des premiers lots cliniques produits de vecteurs, donc, qui n'étaient pas purifiés à l'époque. Donc, c'était très compliqué de cultiver les cellules en présence donc, de ces surnageants de vecteurs non purifiés. Les lots étaient de petite taille, ce qui réduisait, ce qui apportait des problèmes de reproductibilité. Et surtout, Olivier l'a évoqué tout à l'heure, la pathologie à laquelle on s'adresse joue un rôle très très important dans ces questions de manipulation de cellules souches hématopoïétiques, pas uniquement
Là, il s'agit de 10 érythropoïèses et du coup de manipulation de cellules souches hématopoïétiques biaisées, engagées, surengagées dans la lignée érythroïde, avec une mortalité importante des cellules en culture qui rendait compliquée la manipulation de ces cellules. Mais c'est le cas donc d'autres pathologies dans lesquelles l'hématopoïèse n'est pas à l'équilibre. Alors, succinctement, en quoi consistait, c'est un peu toujours la même chose, mais à l'époque, effectivement, sur les premiers patients, un prélèvement de moelle osseuse, la sélection des progéniteurs sur la base de l'expression du CD34, la culture ex vivo, transduction à l'aide du vecteur lentiviral, cryopréservation des cellules CD34. Pendant cette période-là, un certain nombre de contrôles qualité de façon à s'assurer que le produit répond aux spécifications, puis réinjection du produit décongelé au patient par IV, patient qui avait subi un conditionnement myéloablatif par busulfan. Alors, le premier patient qui a été inclus dans ce premier essai pilote en 2007, avait 19 ans, il était transfusé depuis l'âge de 3 ans, forme sévère de bêta-thalassémie, et il a reçu un relatif petit greffon avec un taux de transduction affiché publié à 0,6, mais rétrospectivement, nous savons aujourd'hui qu'il a été surévalué pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, à savoir des surnageants viraux qui étaient contaminés de structures qui n'étaient pas purifiées et qui faussaient les résultats de PCR. Tout ça pour dire que ce patient a reçu un greffon pas très bien transduit. Il a pourtant montré une indépendance transfusionnelle. Vous voyez en haut à gauche sur le panel les différentes fractions d'hémoglobine dans le sang. On voit en bleu l'hémoglobine transfusée. Le patient donc a arrêté d'être transfusé après le 15e mois. Et on voit en rouge l'augmentation progressive de l'hémoglobine thérapeutique. On voit, alors là, il y a un suivi qui est assez court, hein, environ 5 ans. Et on voit que finalement, l'hémoglobine thérapeutique représentait à peu près un tiers de l'hémoglobine totale. Lorsque nous avons analysé les sites d'intégration, et ça c'est obligatoire, les sites d'intégration du vecteur lentiviral ou pour les essais basés sur l'utilisation de vecteurs rétroviraux, c'est la même chose, on doit vérifier les profils d'intégration pour s'assurer qu'il n'y a pas d'intégration dans ou proche d'oncogène, et donc la sélection de clones pouvant aboutir donc à des transformations malignes. Eh bien, chez ce patient, on a vu que la répartition montrait la présence d'un clone dominant, clone dans lequel le site d'intégration était dans le gène HMGA2. Alors, pas de transformation maligne chez ce patient, pas d'effet adverse sévère, donc pas d'impact clinique, mais il était clair que cet essai clinique précoce, donc qui a permis de montrer une efficacité et une indépendance transfusionnelle chez ce patient, eh bien, cette efficacité, ce bénéfice provenait notamment l'expansion d'un clone particulier. Un autre patient a été inclus en 2011, mais le taux de transduction était inférieur à celui obtenu dans le premier patient. Clairement, il apparaissait que dans l'état actuel du process et du vecteur surtout, ça n'était pas suffisant pour poursuivre. Donc, une optimisation du protocole clinique a été nécessaire. Optimisation du vecteur qui s'est transformé en vecteur lentiglobine BB305, qui est celui qui est utilisé depuis plusieurs années maintenant dans les essais dont on va parler. Suppression des séquences insulatrices, les isolateurs chromatiniens donc, que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, ils avaient été introduits pour augmenter la sécurité des vecteurs, mais ces séquences ont comme inconvénient de réduire les titres viraux. Bon, quoi qu'il en soit, ces modifications de vecteurs ont permis d'optimiser les titres viraux, d'augmenter l'efficacité de transduction, et sur la base, évidemment, ce vecteur a lui aussi était passé donc par tout un tas d'expériences, des résultats précliniques ont permis de le valider. Et sur la base de toutes ces expériences, les autorités réglementaires l'ont autorisé.
et un certain nombre d'essais cliniques ont été donc initiés toujours par Bluebird Bio, sponsorisés par Bluebird. L'essai 205, qui est l'essai donc, que nous avons poursuivi à Necker, qui faisait suite au premier, qui était destiné à des patients, donc un nombre de patients, 8 au total, 4, enfin, soit TDT, thalassémie dépendant des transfusions ou drépanocytaire, et puis deux autres essais multicentriques dans plusieurs pays ou aux États-Unis, un essai destiné aux patients drépanocytaires, l'essai 206, dont je donnerai quelques résultats, et l'essai et des essais de phase 3 multicentriques, dont on parlera également tout à l'heure. Alors, le protocole a été, le schéma global, les étapes, le protocole a été optimisé à différents niveaux. Tout d'abord, un régime d'hypertransfusion a été adopté pour les patients en amont de la collection, en amont du prélèvement de cellules souches, de façon à mettre la moelle au repos et à éviter effectivement de recueillir des cellules trop engagées dans la lignée érythroïde et pour permettre également une meilleure prise de greffe. Ensuite, les patients, il ne s'agissait plus de prélever de la moelle osseuse, mais de récupérer des cellules souches périphériques après mobilisation par plérixafor plus ou moins GCSF, en fonction que l'on s'adresse à des patients thalassémiques ou drépanocytaires. Le conditionnement n'a pas changé, myéloablatif, busulfant. Et puis, le reste non plus. Donc, après manipulation, les cellules sont congelées. Et puis, le greffon après décongélation, Béticel, est administré par voie IV au patient. Alors, on voit que le monitoring post-traitement consiste en un suivi de 2 ans dans l'étude mère, dans les études mères, ou suivi ensuite d'études de suivi à long terme, puisqu'il s'agit donc d'essais basés sur l'utilisation de vecteurs intégratifs pour lesquels il est absolument indispensable de vérifier à long terme l'éventuel survenu d'effets adverses liés à des phénomènes de mutagénèse insertionnelle. Alors, sur cette diapositive, on peut voir une synthèse des résultats de l'essai de phase 2 donc, français, mené à Necker, et puis de l'essai de phase 3, l'essai 207, destiné aux patients atteints de thalassémie, transfusion donc dépendant. On peut voir que le suivi le plus long est celui de l'essai 205 de phase 2, puisqu'il a été initié il y a 8 ans. On peut voir, quoi qu'il en soit, que dans les deux essais, tous les patients, 4 sur 4, et pratiquement tous les patients de l'essai de phase 3, ont atteint l'indépendance transfusionnelle, avec des taux d'hémoglobine totale qui dépassent donc les 10 grammes par décilitre. Et ce que l'on peut constater, qui est très important, c'est que le nombre de copies de vecteurs intégrés dans les cellules, dans les PBMC périphériques à 12 mois, est un taux tout à fait satisfaisant, de l'ordre de 1,5 à 2 copies. Rappelez-vous, c'était sur la diapositive pour le premier patient, nous étions à 0,2 copies en périphérie. Pour l'essai 207, l'essai de phase 3, là aussi des résultats donc très intéressants, puisqu'on voit ici sur cette diapositive les besoins transfusionnels chez les patients de cet essai, en bleu ciel ceux qui ont reçu des culoglobulaires, et en bleu foncé pas de culoglobulaires. On voit que pratiquement tous les patients n'ont plus reçu de culoglobulaires. Les résultats qui sont présentés ont été publiés très récemment, il y a 2 mois pour l'essai de phase 3 et puis pour l'essai 205 mené à Necker. Les résultats viennent d'être publiés, donc on voit alors ce que je suis passée très rapidement là-dessus. Pour augmenter l'efficacité de transduction dans l'essai de phase 3, et donc sur la base des résultats accumulés des précédents essais de phase 2, des molécules ont été utilisées pour potentialiser la transduction. Ce sont des amplificateurs de transduction qui ont permis précisément d'augmenter les taux de transduction. Regardez dans le greffon, le nombre de copies de vecteurs dans les CD34, on a donc une médiane de 3 copies de vecteurs. On en parlera, on l'évoquera dans la conclusion. Donc, l'optimisation de la transduction a permis d'obtenir donc des taux d'hémoglobine thérapeutique plus élevés dans cette étude de phase 3.
Un mot tout de même sur les patients inclus dans l'essai 206, qui lui est destiné donc à traiter des patients drépanocytaires. Alors, plus compliqué, comme l'a évoqué tout à l'heure, pour les raisons donc évoquées par Olivier tout à l'heure, de traiter la drépanocytose. Donc, les taux d'hémoglobine atteints thérapeutiques sont plus bas, mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que sur le plan clinique, il y a eu une amélioration significative chez ces patients. Vous voyez sur ce graphe, sur ce schéma, le nombre d'événements, donc crise vaso-occlusive ou syndrome thoracique aigu. À gauche, en bleu, le nombre d'épisodes, les petits losanges en bleu. Et puis à droite, après thérapie génique, on voit qu'il y a résolution de ces crises et donc une amélioration thérapeutique importante. Alors, le bilan, on va regarder uniquement ce qui est en bleu pour aller plus vite, puisqu'on a compris que dans les essais de phase 3 et de phase 2, globalement, avec un recul, un suivi, on a atteint l'indépendance transfusionnelle chez la majorité des patients atteints, donc thalassémiques. Les données de l'étude de suivi à long terme, et ça c'est très intéressant, cette étude de suivi à long terme qui en est à avoir inclus 51 patients, eh bien, montre que tous ceux qui ont atteint l'indépendance transfusionnelle l'ont conservée avec un suivi qui peut aller jusqu'à 7 ans. Alors, je n'ai pas pu insister, puisque on ne peut pas rentrer dans tous les détails, donc je n'ai pas pu insister sur les autres paramètres de correction donc de dyserythropoïèse, mais les marqueurs d'hémolyse se sont normalisés et les niveaux donc, de fer se sont approchés, donc se sont rapprochés donc, des valeurs normales chez ces patients. Et ce qui est très important, c'est qu'aucun événement d'oncogénèse ou autre effet adverse grave n'a été enregistré à ce jour chez ces patients. Alors, l'autre essai de thérapie génique ex vivo destiné à des patients atteints de thalassémie dépendante de transfusion avec un vecteur lentiviral. Cette fois, c'est un autre vecteur lentiviral qui s'appelle GLOBE et qui a été mené, cet essai, par nos collègues italiens. Également, les résultats ont été publiés il n'y a pas très longtemps. Et cet essai se distingue… Alors, vecteur lentiviral qui contient effectivement le gène de globine, cette fois le gène, la version sauvage du gène bêta-globine, qui se base également sur l'utilisation de cellules souches mobilisées chez ces patients atteints donc de thalassémie. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans cet essai, les cellules, les greffons, ne sont pas injectés par voie intraveineuse, mais ils sont injectés en intra-osseux. Alors, trois patients adultes et six patients pédiatriques de génotype sévère ont été inclus. Regardez le panel de droite, les patients pédiatriques, quatre patients figurent sur ce panel et on voit donc les volumes de transfusion, donc avant, donc moins 7, moins 1, avant thérapie génique, on voit donc que les patients sont transfusés et on voit qu'après thérapie génique, trois patients sont devenus indépendants de transfusion. On voit en bas les taux d'hémoglobine chez ces patients, qui sont chez les trois patients indépendants de transfusion, et on voit que les taux ont atteint des valeurs normales. Lorsqu'on regarde la corrélation entre le taux de transduction, finalement, le nombre de copies de vecteurs intégrées sur le graphe de gauche dans les CD34 de moelle osseuse à 6 mois ou alors dans la population érythroïde, toujours à 6 mois, on voit que les trois patients dont je viens de parler, les patients qui ont le mieux répondu, patients 4, 6, 7, on voit que ce sont ces trois patients qui ont les taux de transduction les plus élevés avec un nombre de copies de vecteurs les plus élevés. Donc on retrouve en toute logique une corrélation entre l'efficacité de la transduction, la présence, le chimérisme, la présence de cellules génétiquement modifiées en périphérie et la correction. Le dernier essai que je vous présente, cette fois, est un essai non pas de thérapie génique par addition, puisque c'est ce dont on parle depuis le début. Effectivement, il s'agit d'ajouter une version normale, une copie fonctionnelle du gène déficient chez les patients par l'intermédiaire d'un vecteur intégratif. Là, c'est une stratégie qui se base sur la correction génique ciblée, mais quel type de correction ciblée? À l'aide donc de nucléases et d'ARN guide, donc le système CRISPR-Cas9. C'est toujours de la thérapie génique ex vivo qui cible toujours des progéniteurs hématopoïétiques
qui sont ensuite réinjectés aux patients. Mais quelle stratégie finalement choisir lorsqu'on travaille, lorsqu'on traite des cellules souches hématopoïétiques et qu'on veut utiliser ce système de correction génique ciblée? Eh bien, le problème, c'est que pour pouvoir faire de la correction génique ciblée, là, l'idéal, ce serait de pouvoir corriger définitivement le gène bêta-globine de façon à assurer une expression et une production suffisante à vie de cette chaîne bêta-globine. Ce serait l'idéal. Le problème avec les cellules souches hématopoïétiques, c'est que le taux de recombinaison homologue est faible et que du coup, l'efficacité risquerait d'être faible. Donc, l'option qui est choisie serait d'invalider, d'inactiver un gène, ça c'est plus simple, et c'est l'option qui a été choisie par cette équipe qui a décidé d'invalider le gène, un gène répresseur de l'expression de l'hémoglobine fœtale. Donc l'idée est de restaurer l'expression de l'hémoglobine fœtale, puisque l'hémoglobine fœtale peut faire l'affaire. Il a été montré qu'effectivement, des taux élevés d'hémoglobine fœtale chez les patients drépanocytaires permettaient d'avoir des phénotypes, des manifestations, enfin, des phénotypes acceptables. Donc là, dans cet essai, deux patients ont été inclus, un patient atteint de bêta-thalassémie, dépendante de transfusion, et un patient drépanocytaire. Et on voit que le patient, les deux sont indépendants de transfusion. Le patient thalassémique, en bleu, on voit effectivement la restauration, la production d'hémoglobine F, avec un taux total d'hémoglobine de 14 grammes par décilitre, essentiellement composé d'hémoglobine F. À droite, le patient drépanocytaire, avec une production d'hémoglobine F qui représente environ la moitié de l'hémoglobine totale, le reste étant composé d'hémoglobine S. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, les deux patients sont devenus, n'ont pas reçu de transfusion avec un follow-up, un recul, un suivi d'environ 21 mois pour le premier et de 16 mois pour le second, et plus de crise vaso-occlusive chez le patient drépanocytaire. Donc, en conclusion, quelques éléments de réflexion. La place, alors on voit effectivement que ces essais, cette sélection donc d'exemples d'essais cliniques pour traiter essentiellement donc la thalassémie bêta, puisque c'est pour cette pathologie qu'il y a le plus d'essais cliniques et surtout le plus de patients inclus, avec un recul, un follow-up le plus long. Donc pour ces patients, on voit que les résultats sont très encourageants avec le béticel, qui est le produit pour lequel on a le plus de recul. Pas d'effet secondaire, une indépendance transfusionnelle. Les essais basés sur les CRISPR-Cas9, donc la stratégie donc de ciblage génique, a montré, il faut effectivement montrer sur un plus grand nombre de patients, obtenir cette efficacité sur un plus grand nombre de patients, mais ces résultats sont prometteurs. La sécurité à long terme, je voulais insister là-dessus, aussi bien liée à l'usage des vecteurs intégratifs, l'antiviraux, que la sécurité liée à l'usage donc des systèmes d'édition des nucléases est à évaluer. Et pour finir, effectivement, on restera sur cette question d'accessibilité de traitement, mais ça a déjà été discuté tout à l'heure, la question médico-économique et la question donc d'accessibilité de ces traitements, qui sont des traitements coûteux, à des régions du monde aux ressources limitées. Alors, évidemment, ces essais qui ont été initiés il y a, je vous l'ai dit, en 2003, donc maintenant presque 20 ans, le directeur scientifique de ces essais était Philippe Lebouche, Emmanuel Payen, Olivier Nègre, l'hôpital Necker, évidemment, le service de département de biothérapie dirigé par Marina Cavazzana, qui est le PI de ces essais cliniques menés en France, en fait, tout le monde ne figure pas sur cette diapositive. Et j'ai simplement indiqué Bluebird Bio, parce que depuis 2003 et même plus tard, 2007-2010, beaucoup de monde se sont succédés chez Bluebird Bio. Donc voilà, je remercie toutes les personnes impliquées dans ce protocole. Merci. Merci Salima pour cette très belle présentation des résultats des essais cliniques actuels de thérapie génique. On a la place pour deux petites questions parce qu'on a un peu tardé. Michel, ou on commence par Michel.
Merci beaucoup pour cette superbe présentation. Il y a beaucoup d'espoirs qui sont fondés sur ce type de thérapie à venir. J'ai une question naïve, encore une fois. Vous faites pour ces types de thérapie, on fait des conditionnements myéloablatifs. On est dans le cadre d'une autogreffe, bien sûr. Et donc, le conditionnement, il est là pour faire la place. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Or, vous cherchez du chimérisme. Donc, il faut faire une mini-place ou une grande place? Non, alors on parle de chimérisme. Si on pouvait avoir une prise et une expansion, une installation, j'allais dire une prise, des cellules génétiquement modifiées complètes, ce serait très bien. En plus, effectivement, avec ces agents alkylants, il a été montré, puisqu'il y a eu des essais comparatifs de conditionnement non myéloablatif et le maintien effectivement d'une population de cellules après administration de busulfan, par exemple, et potentiellement la survenue d'effets secondaires liés effectivement au busulfan. Donc, il est peut-être préférable, en effet, d'avoir recours à ces conditionnements complètement myéloablatifs. Merci. De toute façon, à ne pas laisser effectivement ces cellules qui ont déjà subi l'action de ces agents alkylants et ayant accumulé potentiellement des mutations. Merci. La seconde question est pour Guillaume Rousseau. Bonjour et merci beaucoup pour cette présentation. Il y a des résultats qui sont très prometteurs, même qui ont apporté des preuves déjà établies. Une question, c'est une approche curative, donc c'est l'idéal. Est-ce qu'il y a des critères d'exclusion et si oui, lesquels? Alors, il y a des critères d'exclusion. Alors, pour l'instant, vous n'avez peut-être pas vu parce qu'il a fallu aller très vite. Pour l'instant, ces essais se sont adressés à des patients qui avaient plus de 12 ans et moins de 50 ans. Pour l'instant, effectivement, les résultats montrent des résultats prometteurs pour cette population de patients. L'idée est de pouvoir traiter de plus en plus jeunes les patients. Ça aussi, ça a été dit, mais je pense qu'il faut attendre les résultats de sécurité à long terme pour pouvoir étendre les applications. Alors, je ne l'ai peut-être pas, si il est mentionné en filigrane ici que les résultats, si véritablement avec le Béticel, ces résultats se confirment, la stratégie par thérapie génique pourrait même devenir une option curative pour les patients qui auraient même peut-être des donneurs. Parce que du coup, on évacuerait complètement les risques. Merci beaucoup. Merci encore, Salima. Et je vais passer maintenant la parole à Karina Guerra, Karina Guerra de Heritech Pharma, qui va nous parler d'un sujet qu'on a cité tout à l'heure, qui est l'encapsulation de principes actifs au sein de globules rouges et les approches pharmacotechniques. Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Président, les membres du jury et l'Assemblée pour votre accueil aujourd'hui. Je ne vais pas faire original en disant que c'est un réel plaisir de participer sur cette séance thématique et de pouvoir aujourd'hui vous présenter les travaux qui concernent principalement l'encapsulation de molécules au sein de globules rouges avec ses applications en oncologie. Donc moi, je suis Karina Guerra, je suis directrice de programme de recherche et développement et j'ai intégré la société Heritech Pharma depuis 2008 parce que fascinée par ce concept novateur que proposait la société Heritech Pharma. Donc effectivement, toutes les données qui sont partagées aujourd'hui sont d'ordre assez public, donc il n'y a pas forcément de gros secrets autour de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Afin de vous livrer une histoire qui tienne la route, je vais essayer de suivre le plan de présentation suivant. Donc, tout d'abord, une brève introduction suivie d'un rappel sur les concepts des systèmes de délivrance, les delivery systems et leurs intérêts. Présenter également les récents développements d'encapsulation, couvrant un petit peu toutes les méthodologies qui sont référencées aujourd'hui dans la littérature. Et ensuite, présenter vraiment le concept et la stratégie d'Heritech Pharma. Et enfin, reprendre très rapidement les conclusions des points clés de cette présentation.
Donc, tout d'abord, les systèmes de délivrance et les intérêts thérapeutiques. Quel est réellement l'objectif quand on conçoit des systèmes de délivrance? On veut souvent adresser un besoin thérapeutique afin de pallier les limites des molécules administrées sous forme libre, et on veut également adresser de nouvelles options thérapeutiques. Afin de répondre à ces besoins thérapeutiques, donc on a une réelle fonction de ces systèmes de délivrance qui permettent d'administrer et de transporter des molécules à visée clairement thérapeutique. Comme vous le voyez en... Comme vous pouvez le voir en bas, on a représenté un panel de véhicules biologiques ou de systèmes hybrides qui peuvent provenir de différentes sources et qui peuvent également couvrir une diversité de tailles. Et en fait, en fonction finalement de l'origine de ces systèmes biologiques ou hybrides, on va adresser des propriétés complètement différentes. Et donc, les propriétés différentes qu'on va adressées sont présentées dans l'encadré complètement à droite, qui va concerner l'augmentation et la prolongation finalement de l'action de la molécule, l'augmentation de la demi-vie, le fait de diminuer aussi le catabolisme de la molécule, réduire la toxicité et dérouler des applications assez spécifiques en lien avec la biodistribution ou le ciblage. Et donc, le globule rouge, pourquoi est-il un bon candidat? Donc, effectivement, ça n'a pas de secret. Nous avons un système avantageux et polyvalent d'encapsulation de molécules, donc je ne vais pas forcément reprendre en détail tous les éléments, mais tout le monde sait qu'on a un accès facile via les banques de sang. On a une biocompatibilité intéressante avec une pharmacocinétique connue. On a à date 35 millions d'unités transfusées par an, englobant les US et l'Europe. On a une large biodistribution puisque c'est la cellule la plus abondante au niveau du corps humain. On a une encapsulation quand même qui peut comporter une large variété de molécules au sein du globule rouge. Au-delà de la fonction du transport d'oxygène, on a une membrane qui est protectrice et perméable. Et on a également une longue durée en circulation qui est en moyenne de 120 jours. Les systèmes de délivrance issus des globules rouges, en gros, il faut retenir qu'il y a deux concepts, un concept ex vivo et un concept in vivo. Je vais commencer par la partie de droite en décrivant un petit peu le concept in vivo. Donc, en fait, il consiste clairement à injecter à des patients une molécule thérapeutique qui est couplée à une autre molécule. Et par le biais de la circulation, cette molécule va se fixer au globule rouge et ainsi va diffuser au niveau de l'organisme. Donc, ça, c'est un système qui est proposé aujourd'hui par la société Anokyon. Ensuite, pour le concept ex vivo, on a également deux provenances différentes, une à partir des globules rouges et une à partir des cellules précurseurs des globules rouges. Et donc justement, Guillaume Rousseau l'a cité tout à l'heure, c'est vrai qu'à partir de cellules précurseurs des globules rouges, on a possibilité d'adresser des modifications génétiques. Et donc, ces modifications génétiques vont permettre d'avoir finalement des molécules soit en surface, soit à l'intérieur du globule rouge. Et ensuite, on a vraiment le concept du globule rouge à proprement parler via justement l'allogénique et les banques de sang ou via le concept autologue à partir finalement d'échantillons de patients qui va être réinfusé au sein du même patient. Et donc, on a des applications en surface via des liaisons covalentes ou non covalentes. Mais on a également des systèmes d'encapsulation dont Héritech fait partie et d'autres sociétés comme la société Héridel. Et là, on retrouve encore un panel de méthodologies très diversifiées. Cependant, il faut retenir que la méthode la plus répandue et qui a démontré une efficacité chez l'homme assez intéressante, c'est surtout la méthode hypotonique. Donc, je vais la décrire dans les prochaines slides. Donc, l'application des globules rouges thérapeutiques, c'est très intéressant parce qu'en fait, selon l'objectif qu'on cible, on ne va pas adresser les mêmes natures de vecteurs biologiques ou les mêmes natures finalement de systèmes hybrides. Et donc, selon l'objectif qu'on cible, on va avoir des approches plutôt avec un concept bioréacteur où l'action de la molécule va se produire principalement au sein du globule rouge. Et on va avoir des applications thérapeutiques en lien avec l'oncologie. C'est le cas d'Héritech avec le produit phare développé qui est Eryaspase, l'encapsulation de la L-asparaginase au sein des globules rouges. On a également des applications thérapeutiques dans les maladies rares. Après, on a le concept de diffusion lente. Donc là, on va avoir plutôt finalement une diffusion passive de la molécule avec un rôle qui va être plutôt en extracellulaire. Et donc là, on va pouvoir aller adresser des maladies inflammatoires infectieuses, rares, mais aussi toujours l'oncologie.
Et après, comme on le sait tous, on a notre globule rouge qui est phagocyté par les cellules du système immunitaire. Et donc, il est assez facile d'envisager finalement un ciblage naturel en lien avec les cellules du système immunitaire et des objectifs d'oncologie. Là, c'est un mapping, une représentation plutôt matricielle des acteurs clés qui développent des globules rouges thérapeutiques. Donc, ça a été réalisé en interne chez nous par notre service business. Et en fait, je ne vais pas forcément tout redétailler, mais ça reprend vraiment la globalité de toutes les approches qui sont utilisées aujourd'hui. Les stades plutôt précliniques pour certaines sociétés, comme Squeeze notamment, et des stades beaucoup plus avancés en clinique, dont Eritech fait partie, avec des phases 2 et des phases 3 développées aujourd'hui, et ce concept vraiment bioréacteur. Et on a également cité par Guillaume Rousseau tout à l'heure la société Rubus, qui a de belles avancées avec un concept vraiment de modification génétique et des résultats très prometteurs justement en clinique. Et on a également la société Eridel aussi, qui par un système de diffusion lente permet d'avoir des développements cliniques très intéressants aujourd'hui. Aujourd'hui, si on passe un petit peu aux récents développements et ce qui est connu dans la littérature par rapport aussi aux candidats portés aujourd'hui en clinique, on recense pas moins de 65 molécules encapsulées dans les globules rouges humains. Sur ces 65 molécules, on a 12 molécules qui ont été encapsulées avec le système ERICAPS détenu par la société Eritech. Et comme vous le voyez en bas, on a possibilité justement d'englober un large champ par rapport à la nature des molécules. On peut aussi bien imaginer d'encapsuler des petites molécules que des protéines ou d'autres variétés. Et en fait, comme on se rend bien compte au travers de cette représentation, que sur les 65 molécules qui ont été identifiées comme étant de bons candidats à l'origine, seules 5 finalement sont pertinentes par rapport à des progressions cliniques intéressantes. Et donc, on a la L-asparaginase encapsulée dans les globules rouges, qui est le concept d'Eritech. Et on a également d'autres molécules qui sont bien avancées par d'autres sociétés, encore une fois, englobant Eridel, par exemple. Donc, si on revient sur des choses plutôt techniques pour voir un petit peu qu'est-ce qui est fait au niveau de l'encapsulation aujourd'hui par rapport aux globules rouges humains. Donc, effectivement, il y a, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de molécules qui ont été encapsulées à des stades très précoces. Et finalement, on a eu des développements cliniques confirmés que dans peu de candidats in fine. Par contre, on se rend compte que par rapport aux méthodes d'encapsulation qui sont utilisées aujourd'hui, celle qui est la plus répandue, la plus validée finalement avec des applications chez l'homme, c'est plutôt la méthode hypotonique. Donc, je vais la décrire juste après. Et en fait, aussi, par rapport à la capacité et le panel de molécules qu'on est capable d'encapsuler, vous pouvez voir sur les deux derniers blocs de la slide qu'en fait, on est capable à Eritech, par exemple, d'encapsuler des molécules qui vont de 0,1 kilodalton jusqu'à 500 kilodalton. Et donc, pour replacer un petit peu le produit phare d'Eritech, qui est la L-asparaginase encapsulée dans les globules rouges, la L-asparaginase, c'est un homotétramère qui fait environ 140 kilodalton. Et donc, on est clairement dans cette gamme de taille par rapport aux molécules présentées. Et donc là, c'est un bilan des encapsulations pour reprendre justement avec toutes les informations que j'ai citées précédemment, la nature des molécules à l'origine, protéines, petites molécules ou autres, avec les développements qui sont indiqués avec des astérisques faits par rapport à Eritech et aussi d'autres personnes et sociétés compétitives. Et ensuite, est indiqué en rouge les molécules qui ont abouti clairement en clinique aujourd'hui. Donc, comme vous le voyez, il y a un beau panorama finalement qui est évalué par rapport à la faisabilité technique et scientifique. Cependant, au final, par rapport à toutes les étapes que consiste dans le cadre du plan de développement et des perspectives industrielles, on est exposé à quelques limitations et les preuves d'efficacité clinique restent faibles. Donc là, je reviens en détail sur l'encapsulation par choc osmotique, qui est la méthode la plus répandue et avancée. Donc, cette méthode repose sur trois étapes principales. Tout d'abord, les globules rouges sont placés dans un milieu hypotonique. Et par conséquent, on a un gonflement du globule rouge qui permet de former des pores à la surface des globules rouges et de faire en sorte que la molécule d'intérêt va pénétrer justement au sein de ces pores. Et on va avoir justement le globule rouge qui va se refermer à l'aide d'un milieu hypertonique et revenir dans des conditions finalement initiales par rapport à la forme de départ du globule rouge.
L'effet de l'encapsulation par choc osmotique n'est pas anodin puisqu'on fait une manipulation des globules rouges. Donc, on a forcément un impact et cet impact va être très dépendant de la méthode utilisée. Donc, nous, le recul qu'il y a par rapport au choc osmotique et ce qui est justement aujourd'hui établi dans la littérature, c'est qu'en fait, on a forcément un impact sur les paramètres hématologiques. On a également un impact sur la fragilité osmotique, l'hémolyse, mais également l'exposition de la phosphatidylsérine et le changement de morphologie. Donc ça, c'est ce qui est communément référencé dans la littérature. Et je vais vous présenter par la suite justement ce qui a été obtenu par validation expérimentale entre nos mains. Et donc là, je passe au concept et à la stratégie d'Eritech. Donc justement, Eritech aujourd'hui est leader dans la conception de médicaments à partir de globules rouges. On détient une technologie propriétaire qui s'appelle ERICAPS, qui est assez reproductible aujourd'hui. Le focus est principalement axé en oncologie, puisqu'on identifie et on cible le métabolisme des acides aminés au niveau de la cellule tumorale. Le produit qui est le plus avancé, c'est le produit ERIASPAS dont je parlais, donc la L-asparaginase encapsulée dans les globules rouges. Aujourd'hui, elle a fait preuve d'efficacité clinique intéressante dans différentes indications, notamment la leucémie aiguë lymphoblastique et le cancer pancréatique. On a un très bon avancement par rapport à une phase de commercialisation aujourd'hui dans la leucémie aiguë lymphoblastique. On a aussi des résultats très encourageants de phase 2 et de phase 3 dans le cancer pancréatique. Et l'avantage de la société, c'est qu'aujourd'hui, on a des unités en grade GMP qui sont localisées aux États-Unis et en Europe, avec pas moins de 5000 batchs produits aujourd'hui. Et la société est cotée en bourse au Nasdaq et Euronext. Donc là, c'est une représentation plus visuelle du pipeline d'Eritech. Donc, je ne vais pas reprendre en détail tous les éléments, c'est juste pour montrer que le produit le plus avancé, donc ERIASPAS, couvre aujourd'hui plusieurs indications, la leucémie aiguë lymphoblastique, le cancer pancréatique, mais aussi le cancer du sein triple négatif. Et on a d'autres programmes qui sont dans des stades de développement plus early et qui concernent différentes applications comme les modulations immunitaires ou tout ce qui concerne d'autres intérêts thérapeutiques comme les maladies rares. Et donc là, par rapport au concept initial d'Eritech, c'est intéressant de refaire un petit focus rapide sur le métabolisme du cancer parce que la stratégie principale, c'est de cibler les cellules cancéreuses en les privant des acides aminés essentiels nécessaires à leur croissance et leur survie. Donc, comme on le sait, de nombreux cancers ont des besoins élevés en acides aminés, devenant du coup dépendants d'une source exogène ou en lien avec la synthèse de novo. Et donc, par conséquent, la déplétion de ces acides aminés au niveau systémique via la circulation sanguine va conduire à une souffrance et une mort de la cellule cancéreuse. Donc, on joue vraiment sur un procédé où on affame finalement la cellule tumorale par rapport à ses nutriments. Le concept initial, donc, il vient de l'enzyme libre, qui est l'asparaginase, qui est un premier médicament qui cible le métabolisme des acides aminés. L'asparaginase, c'est une enzyme et un médicament qui a été approuvé dans les années 70 via les agences de santé américaines, notamment utilisé et devenu standard of care dans la leucémie aiguë lymphoblastique. Et donc, c'est vrai qu'il y a aussi des confirmations et des belles démonstrations dans le lymphome non-hodgkinien. Le mécanisme d'action principal de la L-asparaginase, c'est de dégrader l'asparagine et, comme je le disais précédemment, priver les cellules tumorales de cet acide aminé qui n'ont pas la capacité de synthétiser justement cet acide aminé nécessaire pour le développement des cellules leucémiques parce qu'elles sont également souvent déficientes en enzymes qui s'appellent l'asparagine synthétase qui leur permet de produire cet acide aminé. Et les limitations qu'on connaît aujourd'hui de l'asparaginase sous forme libre, souvent liées à une origine plutôt bactérienne, des Escherichia coli ou des Ruminia chrysanthemi, c'est plutôt des réactions allergiques, des effets secondaires, une demi-vie de l'enzyme courte qui n'est que de quelques heures et des anticorps neutralisants qui peuvent contrecarrer finalement l'action de notre enzyme. L'avantage du concept d'ERIASPAS, l'asparaginase encapsulée dans le globule rouge, c'est qu'en fait, donc, l'asparagine en circulation est pompée de façon active dans le globule rouge et l'asparaginase encapsulée va justement hydrolyser et générer des produits de réaction qui vont être l'aspartate et l'ammoniac. Et en fait, de ce fait, grâce à ce concept, on va avoir une activité prolongée et une toxicité réduite via ce procédé d'encapsulation et notamment avec un avantage d'extension de demi-vie qui va aller jusqu'à plusieurs jours à la différence de l'enzyme libre qui est de quelques heures.
Là, je ne vais pas revenir sur le détail de la technologie par choc osmotique, c'est juste pour dire que le concept et la technologie propriétaire ERICAPS aujourd'hui est plutôt reproductible avec un large panel de molécules, comme on l'a cité précédemment, qui englobe des peptides, des ARN, des protéines et des anticorps. Tout ça est associé à une forte propriété intellectuelle parce qu'on n'a pas moins de 310 brevets aujourd'hui regroupés en 16 familles. Et donc là, je voulais amener un petit peu le pendant correspondant à ce qu'on a dit tout à l'heure vis-à-vis de ce qui était référencé dans la biblio par rapport au fait qu'on connaît un peu l'impact du procédé d'encapsulation sur les globules rouges. Et en fait, entre nos mains, est validé sous la supervision du docteur Agnel Sibiel, qui a beaucoup collaboré avec Thierry Olivier, de mémoire, on a justement constaté après procédé d'encapsulation qu'on avait une perte du contenu intracellulaire. On avait des globules rouges plutôt déshydratés qui étaient aussi liés à une baisse de la déformabilité du globule rouge. On a certains paramètres qui restaient inchangés. Par contre, on a aussi un impact au niveau des capacités antioxydantes avec clairement une diminution du pool de mutation. Et on a aussi une augmentation de certaines formes morphologiques, notamment les échinocytes, qui sont en lien avec une diminution de l'ATP. Et donc, en fait, malgré ces modifications, parce qu'effectivement, on entraîne la modification des globules rouges via ce procédé d'encapsulation, on a conscience qu'il y a des modifications. Par contre, il y a eu une évaluation pour se rendre compte de l'ampleur de ces modifications et qu'est-ce que ça pouvait finalement entraîner de positif ou de moins positif. Et le bilan, c'est qu'en fait, malgré toutes ces caractérisations, les globules rouges dialysés restent maintenus dans la circulation sanguine assez longtemps pour toujours assurer cette fonction de bioréacteur avec maintien d'une activité prolongée de l'enzyme qui est à l'intérieur. Et donc, tous ces travaux ont fait l'objet d'une publication récente et ont permis justement de grandir au niveau de la connaissance du produit et de l'impact de notre procédé d'encapsulation. ERIASPASE en clinique, donc là c'est juste un résumé pour dire qu'effectivement on a un retour d'expérience aujourd'hui sur plusieurs essais cliniques dont deux phases 3, plusieurs indications comme je l'ai cité sur les slides précédentes avec un recul sur une population patient aussi très variée et beaucoup de lots manufacturés en grade GMP qui nous donne aussi un bon recul sur les spécifications produits à adresser compatibles derrière avec l'injection chez le patient. Et donc, je voulais prendre l'exemple des preuves de concept réalisées dans la leucémie aiguë lymphoblastique parce qu'en fait, aujourd'hui, on a réalisé 6 essais cliniques avec différentes progressions, différentes populations. Et le bilan qu'on a aujourd'hui, c'est que sur les 200 patients traités avec le produit ERIASPASE, on confirme clairement le concept de l'activité prolongée, la toxicité réduite et le bénéfice clinique versus la forme non encapsulée. Et donc là, je vais prendre l'exemple de 3 d'entre eux. Pour ne pas détailler tout forcément. Et donc, en fait, effectivement, par rapport à la phase 2-3 qu'on a réalisée, on a eu une vraie démonstration du bénéfice thérapeutique avec une plus faible incidence de toutes les réactions d'hypersensibilité, avec confirmation de la durée de l'activité de l'asparaginase prolongée, ce qui permet une administration finalement diminuée ou réduite par rapport à la forme libre, donc par conséquence générant moins d'effets secondaires. On a un profil d'efficacité qui est favorable avec l'amélioration de beaucoup de paramètres et une démonstration claire de la faisabilité surtout d'administrer le produit chez des patients allergiques. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand on traite les patients avec l'ERIASPASE, ces patients ont au préalable reçu des administrations de la forme libre à partir de différentes sources, des Escherichia coli ou des Ruminia chrysanthemi. Et donc, souvent, ils ont développé donc, des réactions d'hypersensibilité. Et donc là, la preuve de concept a permis de révéler que ce n'était pas incompatible d'injecter le produit chez des patients allergiques justement et qui avaient vraiment un intérêt pour poursuivre le traitement qui était souvent dans des impasses thérapeutiques. Ensuite, on a un investigator sponsor trial qui a été réalisé pour évaluer justement, toujours pareil, le profil de sécurité et l'activité du produit ERIASPASE combiné à la chimiothérapie chez des patients qui avaient au préalable également développer des hypersensibilités à l'asparaginase pégylée. Et donc, ces résultats ont fait l'objet d'une publication à l'ASH en 2020. Et on a également réalisé un Expanded Access Programme qui a englobé 18 patients double allergiques
Donc là, encore une fois, double allergique, ça veut dire qu'ils ont été traités avant notre traitement avec des sources variées d'asparaginase libre. Ils ont justement déclaré des allergies assez nettes. Et donc, on a pu constater qu'après administration de notre produit, on avait bien une confirmation du niveau cible thérapeutique par rapport à la concentration d'asparaginase qu'on connaît et qu'on maîtrise, que le profil de tolérabilité du produit est comparable par rapport à toutes les expériences précédentes sur les essais qu'on avait menés jusqu'à présent. Et les résultats ont également été présentés à l'ASH 2021 par le professeur Yves Bertrand. Donc, et là, donc, c'est une ouverture effectivement pour dire qu'aujourd'hui, il y a une réelle opportunité de traitement pour les patients parce qu'en fait, donc là, je présente des chiffres et des pourcentages, mais en fait, selon la nature ou la source d'information, on peut avoir une variation. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a quand même 6 000 patients diagnostiqués avec la leucémie aiguë lymphoblastique aux États-Unis en date de 2020. On a 14 à 24% des patients qui reçoivent des asparaginases dérivées d'Erwinia, donc soit l'Erwinase, soit l'Arylase aujourd'hui qui sont sur le marché. Et on sait que les cliniciens ont des difficultés par rapport à ces produits qui développent beaucoup d'effets secondaires et des hypersensibilités. Et donc, il y a une réelle volonté de trouver des solutions pour essayer de continuer le traitement. Et donc, c'est vrai que le dernier traitement approuvé par la FDA avec Jazz Pharmaceutical, qui est la Arylase, peut adresser aujourd'hui certaines améliorations. Cependant, on reste toujours sur des administrations qui restent assez rapprochées dans le temps, avec des cycles de traitement très répétitifs qui génèrent forcément à un moment donné des effets secondaires. Et où, par conséquent, on a une limitation pour traiter le patient sur de la longue durée. Et donc, l'alternative d'avoir un produit qui encapsule l'asparaginase et qui a une extension de demi-vie avec des administrations moins répétées que la forme libre permet de trouver une option thérapeutique et de lever certaines contraintes par rapport aux sources d'asparaginase libre. Et donc voilà, donc on conclut effectivement sur le fait qu'Eriaspase a un profil de sécurité qui est très bon et confirmé chez les patients adultes. Et comme on le disait, il y a un intérêt côté clinique d'aller justement utiliser notre produit pour lever un petit peu les difficultés par rapport aux administrations répétées d'asparaginase. Et donc, les informations clés et le bilan à avoir sur cette présentation, c'est que finalement, on a un champ large d'utilisation du concept carrier à partir de notre globule rouge. L'encapsulation, elle permet clairement de protéger un principe actif grâce à sa membrane. On a la présence de transporteurs. C'est vrai que je ne me suis pas étendue, mais c'est vrai que je parle beaucoup de l'asparagine. Donc, on sait qu'au niveau de la membrane du globule rouge, on a les systèmes N qui sont très dépendants du calcium et liés justement à SNAT3-5 qui permettent justement des échanges très dynamiques vis-à-vis de... Donc, c'est un peu l'avantage en fait de notre membrane du globule rouge, c'est qu'on peut avoir des échanges dynamiques par rapport à certains nutriments. Donc, il y a un réel intérêt d'utiliser des applications avec des protéines ou des enzymes qui ciblent justement ce métabolisme des acides aminés, surtout si on a un transport qui est plutôt actif vis-à-vis de l'acide aminé en question. Donc, c'est vrai que ça peut être clé justement dans le déroulement. Et l'avantage de l'encapsulation en oncologie, donc basée sur l'expérience d'Eritech, c'est clairement le bénéfice thérapeutique prouvé chez de nombreux patients et dans différentes indications, incluant la leucémie. L'extension de durée de vie de molécules, donc c'est vrai que je n'ai pas forcément parlé en quantification d'heures, mais c'est vrai que pour la forme libre, on est vraiment sur quelques heures, souvent inférieures à 24-48 heures. Chez le patient, en clinique, on est sur des administrations toutes les 2 à 3 semaines et en préclinique chez la souris, toutes les semaines, parce qu'on a une PK justement qui est un petit peu plus courte. Mais en tout cas, voilà, ça permet d'avoir vraiment un confort d'administration et donc des fréquences d'administration diminuées par rapport au traitement conventionnel à base d'asparaginase non encapsulée, de réduire clairement tous les effets secondaires et d'avoir une meilleure tolérance finalement chez le patient. Donc, il faut retenir que c'est une option thérapeutique quand l'administration, en tout cas, de l'asparaginase non encapsulée n'est plus possible et qu'il y a trop d'effets secondaires. Donc, voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et je remercie tous mes collègues qui ont contribué à ces beaux travaux depuis de longues années.
ma question est simple. Est-ce que vous avez l'AMM ou sinon, est-ce que vous êtes près de l'AMM? On a déjà eu un historique justement avec l'IME par rapport à l'AMM, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on cible plus un BLA auprès des agences de santé américaines, donc la FDA. Donc aujourd'hui, effectivement, on est en plein process de commercialisation avec la FDA vis-à-vis plutôt d'un format BLA, Biologic License Application. J'ai une petite question complémentaire par rapport à celle-là. Est-ce que vous avez déterminé un prix de commercialisation de ce type de produit? Alors, il y a des réflexions effectivement en interne autour de ça. Après, honnêtement, ce n'est pas clairement mon cœur de métier, mais en tout cas, il y a effectivement tout un processus d'évaluation de coûts qui englobe effectivement la source initiale jusqu'à la fin du manufacturing. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est dans des coûts plutôt accessibles pour dérouler dans une échelle intéressante côté clinique. Merci beaucoup pour ce point. J'avais une question justement pour l'enregistrement de la molécule. Vous vous positionnez en échec, entre guillemets, de l'asparaginase standard parce qu'il y a des anticorps que, comme c'est protégé dans le globule rouge, de toute façon, à ce moment-là, il n'y a plus l'inhibition liée aux anticorps de la molécule, ce qui pose un problème dans certaines pathologies. Est-ce que c'est votre positionnement ou est-ce que c'est en première ligne contre l'oncospar, par exemple, déguilé où il y a moins d'effets secondaires? Et ma deuxième question, c'est en cas d'effets secondaires liés aux produits non allergiques, quand les globules rouges, ils ont pendant 3 mois l'asparagine à l'intérieur, dans ces cas-là, est-ce qu'on peut les retirer ou est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire où on n'a pas vu d'effets secondaires, par au niveau de la coagulation, par exemple, et qu'on n'ouvrait plus qu'il y ait d'activité asparaginase? Donc, effectivement, pour la première question, les deux stratégies ont été envisagées. Donc, on a eu effectivement une expérience avec l'IME où, l'asparaginase, c'est le standard of care dans la leucémie, effectivement, il y avait une attente de supériorité d'effet et de comparabilité assez évidente, ce qui était très challenging à l'époque. Donc, c'est pour ça qu'on a revu notre copie avec un essai clinique plus performant derrière. Et aujourd'hui, on se positionne plus vis-à-vis de l'allergie, effectivement, parce que c'est… En fait, on a l'avantage PKPD, clairement. Par contre, on n'a pas une supériorité d'efficacité par rapport au traitement conventionnel. Donc, c'est là où il y a quand même une rigueur vis-à-vis des agences de santé, où il y a des choses qu'on ne peut pas forcément adresser. Et on a conscience de tout ça. Par contre, on arrive plus justement avec cette opportunité où on a quand même possibilité d'adresser des patients qui ont subi des allergies où notre traitement est compatible. Et donc, finalement, ça peut orienter le message différemment et avoir une acceptation et un regard plus différent côté des agences de santé. Et donc, c'est plutôt comme ça que ça se voit. Et d'aller dans d'autres pathologies. On avait discuté déjà, mais notamment dans les lymphomes NK, par exemple, qui sont très sensibles à l'asparaginase, et que le mécanisme de résistance principal, c'est la présence de ces anticorps. C'est, finalement, on s'en fiche un peu, entre guillemets, oui, de l'allergie, alors que dans les LAL, c'est moins flagrant. C'est peut-être moins flagrant, et c'est pour ça que l'effet d'efficacité supérieure, elle n'est pas évidente, alors que dans les lymphomes NK, on avait montré que c'est presque 40% des patients, oui, qui échappent au traitement. C'est lié à l'apparition de ces anticorps. Et là, on peut les rattraper assez facilement. C'est ça, vous avez complètement résumé l'histoire. Effectivement, on n'a pas du tout le même niveau d'ordre d'effet par rapport aux effets secondaires dans les tumeurs liquides mixtes, un peu comme les lymphomes ou solides, parce qu'effectivement, déjà, on a un mécanisme d'action très différent de notre produit par rapport à la caractérisation spécifique de chaque type cellulaire. Et après, il est vrai qu'effectivement, on a une augmentation d'effets secondaires dans certaines pathologies. Après, nous, clairement, on sait par rapport à l'asparaginase, ce qui est connu au niveau des effets secondaires. On connaît aujourd'hui les effets secondaires avec notre produit, parce qu'on a effectivement aussi, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux réactions d'hypersensibilité, ça peut être en lien avec des troubles respiratoires, des troubles cardiovasculaires, des éruptions légères, des gonflements. Après, c'est vrai que au-delà de ça, on a des effets secondaires beaucoup plus poussés vis-à-vis des pancréatites, vis-à-vis des troubles justement hématologiques. Le fait, nous, d'avoir un produit clairement avec une propriété de globules rouges un peu cellulaires, effectivement, il y a cette dimension qui rapporte un cran par rapport aux effets secondaires qui n'est pas négligée, effectivement, qui est à manager en fonction du passif des chimiothérapies subies par le patient juste avant. Mais la formation d'ADA est clairement un point de contrôle majeur parce qu'on ne peut pas complètement garantir qu'on n'en a pas. Ça, c'est sûr. Thierry Perrard, pour une dernière question.
Merci, monsieur le Président. Très belle présentation, merci beaucoup. Alors, vous n'avez pas évoqué le problème, un autre effet secondaire potentiel, qui est quand même l'immunisation anti-érythrocytaire, oui, pour votre produit. La question subsidiaire, du coup, quel est le volume en fait, standard de globules rouges pour une dose classique, et est-ce qu'on pourrait, le cas échéant, imaginer de faire un prélèvement autologue de petit volume pour éviter ce problème de l'immunisation? Alors, effectivement, c'est plus facile de répondre par la deuxième question. On a aujourd'hui un produit, donc c'est une enzyme qui s'injecte en unité par kilo chez le patient selon la prescription. Donc, effectivement, on est capable de générer aujourd'hui des poches entre 150 et 600 millilitres. Et donc, en fait, en fonction, souvent, on administre une dose autour de 100 unités par kilo. Donc, effectivement, selon le poids du patient, selon la concentration qu'on a à la libération finalement du produit, on va justement faire tout un calcul et un ajustement pour administrer in fine 100 unités par kilo qui sera contenu dans une poche entre 100 et 600 ml. Et donc, en fait, par exemple, voilà, on veut un patient qui a 80 kg lui administrer la dose de 100 kg, il recevra 8000 unités par rapport à la poche et le volume correspondant. Et donc, effectivement, le problème de l'aluminisation, c'est clairement un réel problème. Après, il est vrai que par rapport au recul qu'on a aujourd'hui, on a conscience de ça et des investigations restent encore à mener pour mieux adresser la problématique. Après, c'est vrai qu'on a justement tout un réseau en collaboration étroite avec les experts du globule rouge pour essayer d'approfondir un petit peu plus ces mécanismes-là et ces réactions secondaires qui posent souci aussi à un moment donné chez le patient, c'est sûr. Merci encore, Madame Aguera, pour cette présentation. Merci à vous. Merci. Juste avant de clôturer cette séance, je voudrais vous rappeler l'échéance administrative qui vous attend, et à savoir l'élection d'un nouveau membre en cinquième section. N'oubliez pas de voter, donc. Je tiens à remercier les organisateurs de cette séance thématique.